Ladies and gentlemen, boys and girls, chers amis abonnés Motors ou Dear Motor Subscribers, oh, on peut le dire comme ça à l'anglaise. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Benzix Motors pour vivre ensemble un nouvel événement organisé par l'ALMR. Vous le savez, cet été, chaque jeudi soir, vous avez droit à un événement, un open event, en tout cas organisé par l'équipe LMR, donc sur Assetto Corsa Competizione, qui du coup, pour l'occasion, durant cet été, fait son retour sur la chaîne, et c'est avec grand plaisir qu'on vous propose donc ces événements. On a eu la semaine dernière le circuit Zolder et les Porsche 911, type 992 Cup en l'occurrence, qui s'affrontaient. Et bien là aujourd'hui, on revient sur du plus classique, on revient sur de la GT3 pour le coup, et sur le circuit donc anglais, non loin de la ville de Londres, donc Brands Hatch, dans le Kent, donc du côté du... non, pas dans le Kent, je raconte une bêtise là, mais bon, en tout cas c'est près de Londres, en tout cas en Grande-Bretagne, ça c'est sûr. À mes côtés, pour vous commenter cette course ce soir, c'est simple, les deux commentateurs sont dans le même lieu, voilà, pour faire simple et court. Par contre, chacun est évidemment devant son installation précise. Et donc c'est Jérémy Frolli en l'occurrence qui est avec moi. Bonsoir Jérémy, merci d'être à mes côtés. De retour sur ACC, de retour avec le GT3. Bon, c'est une catégorie, je pense que tu la connais un tout petit peu. Hein, juste un peu comme ça, il me semble. Hein. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à toi, mon cher Ben. Bah oui, de retour sur ACC. Et ça me rappelle de beaux souvenirs parce que j'ai commenté la première fois avec toi sur du ACC. Et c'était sur LMR, avec la LMR aussi d'ailleurs, le tout premier événement, t'étais avec à l'époque au Castellet. Il me semble que c'est ça, donc c'est un petit peu un retour aux sources. Donc, ben c'est ça. Donc voilà, et je pense que la LMR est, je pense à mon avis, très content de m'entendre, je pense. Donc, ah, qui sait. Voilà, et non, et puis oui, on est parti avec des GT3, donc sur Brands Hatch, qui est effectivement dans le Kent, tu avais bien raison, mon cher. Ah bah d'accord, ok, bah ça va, je me suis pas trompé, ça me rassure. Ouais. J'ai encore une bonne connaissance de ma géographie anglaise. Voilà, dans le, c'est au sud-est de Londres. Voilà, exactement. Il y a une autoroute qui passe le long et qui, en fait, quand vous prenez dans le sens depuis Londres, vous pouvez aller jusqu'à Douvres, donc c'est-à-dire reprendre le tunnel sous la Manche ou bien le ferry pour revenir en France, pour le coup. Donc voilà, hein, c'est petite anecdote. Je suis passé à côté du circuit sans m'en rendre compte, justement, quand j'avais passé une fin de semaine anglaise durant mes études, il y a de nombreuses années d'ici en arrière. Bref, je parle de ma vie privée, de ma vie perso, mais bon, voilà, c'est petite anecdote comme ça, assez croustillante. Le tracé, évidemment, vous le connaissez sans doute, mais on ne sait jamais. Il y en a parmi vous qui ne connaîtraient pas. Alors du coup, vous allez pouvoir le découvrir ici avec cette petite animation infographie. Donc, ce tracé, alors, on voit la ligne de départ arriver ici dans le coin inférieur droite avant d'arriver sur le virage de Paddock Hill, puis ensuite l'épingle de Druide. Et là, on va, au virage Surtees, prendre à gauche au lieu de continuer tout droit vers la suite du tracé Indy. Là, on va sur le tracé GP, évidemment, puisque ce circuit de Brands Hatch a deux variantes, en l'occurrence, avec le virage Hawthorne, Stirling, aussi, puis le virage Clark, en l'occurrence, qui forme le dernier virage de ce tracé. Donc, de Brands Hatch, qui a accueilli la Formule 1, bien sûr, qui accueille le British Superbike, qui accueille de nombreuses séries de voitures de tourisme, le Fanatec GT World Challenge, forcément européen, notamment, donc, c'est un circuit, on va dire que c'est un peu un passage obligé pour beaucoup de catégories, ou en tout cas, il n'est pas rare, enfin, ou plutôt il est rare, de trouver des pilotes qui n'auraient pas roulé au moins une fois dans leur carrière sur ce tracé, quand même. Bah oui, tout à fait. Et puis Brands Hatch, c'est quand même un très beau circuit. Enfin, moi, je l'apprécie particulièrement parce que voilà, c'est pas un circuit qui est plat déjà pour commencer. Donc on a beaucoup de dénivelé. Déjà le premier virage. Hein. On voit, c'est vraiment un virage en descente à l'aveugle. Il n'est pas impossible que ce soit. Il y a quand même un petit peu de grabuge, je pense, surtout au départ. Puis il est pas ensuite ça remonte sur l'épingle de Druids. Après ça redescend. Donc voilà, il est assez vallonné. Donc mais il est tout aussi rapide, donc très clairement, je pense qu'on va se régaler.
Ah oh bah ça je n'en doute pas un seul instant. Et tiens, on va aller à bord de la voiture de Julien Guérin ici sur une Mercedes AMG GT3 bien sûr. Alors on va peut-être avoir un bon angle de caméra ici. Donc voilà, ce virage de Druids justement qu'on vient de passer à l'instant. Non, le virage de Paddockin. On arrive à Druid. Voilà. On va remettre les virages dans le bon ordre, hein, Benji, ce sera mieux. Évidemment. Cette redescente ici. Alors avec ce petit coude hein, aussi. Ouais. Il me semble, je n'ai pas souvenir à l'époque de notamment le feu Toka Touring Car des années 90. Il me semblait pas qu'il y avait ce petit coude après l'épingle de Druid. En tout cas, j'en ai pas le souvenir, ou alors c'était peut-être moins prononcé qu'aujourd'hui. Alors, non, et c'est surtout que c'est le virage de Graham Hill, donc ouais. Graham Hill Bend. Donc, très clairement, après on arrive dans la Cooper Strait, après on arrive dans le. Et là, je crois qu'on est dans la deuxième. On est à la portion GP. Là, ici, voilà. En l'occurrence, avec une petite touchette, avec une Ferrari, voilà. Une nouvelle avec Ferrari d'ailleurs, qu'on n'avait pas encore l'occasion de voir sur la chaîne d'ailleurs aussi. On a passé le virage de Westfield. Yeah. C'est tristement célèbre aussi parce qu'il y a un pilote qui avait perdu la vie il y a de nombreuses années d'ici en arrière également là-bas. Et là, on arrive vers le virage. Clark, là ici, ce dernier virage avec l'envoi des stands sur la droite et puis bien sûr, bah, nous on reste sur la piste, sur la gauche bien entendu. Alors on va un petit peu faire le tour, on a 28 pilotes engagés ce soir, pas mal hein. Belle entry list, là pas pour mal. Le coup ouais. et on a de tout, donc on a de la Ferrari, là en l'occurrence alors là, oui, ça vous allez dire Ferrari, bah oui, c'est la nouvelle 296 GT3, hein, en l'occurrence, là, ici, qui est arrivée sur Assetto Corsa Competizione il y a quelques semaines d'ici maintenant. Et c'est vrai que sur la chaîne, on ne l'avait pas encore vue, puisque c'est la première simu qui propose cette voiture. Donc, forcément, on va la découvrir ce soir. Hein. Et notamment, je crois qu'on a même. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont choisi, mais je crois qu'on a même la nouvelle Lamborghini, donc la Evo 2. La Huracan Evo 2. Alors faut voir, alors on a de la BMW, on a de la Mercedes, on a de la Porsche, comme on a dit, encore une Ferrari. Voilà, on a une Lamborghini. Alors, est-ce que c'est la Evo? J'ai l'impression qu'il y a la petite aileron de requin, hein, c'est ça, hein, qui permet la distinction. Exactement, donc c'est la nouvelle. Avec Romuald Van Niemen, hein, là, ici, qui sera le pilote aligné sur cette voiture-là, qui aura le numéro 80. Là, on a encore une Ferrari, une Porsche, la Evo, du coup, hein, forcément. Bah, la 992. Voilà. Exactement, donc oui, c'est vrai qu'on est passé à la génération 992 en effet avec cette Porsche GT3, la McLaren hein, aussi, bien évidemment. Puis on a ensuite la Porsche ici. Ah, une Nissan, tiens, voilà, une Nissan GT-R. C'est-à-dire, entre guillemets, revenu d'entre les morts. Non, peut-être pas, mais en tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu une en piste, donc ça va être très bien aussi. Merci. La 720S pour le coup, la M4 GT3, une Audi R8. Ah bah oui, quand même. Ah oui, ça c'est... Voilà, hein, même si je suis neutre, objectif et impartial au com, hein, je reste pas moins chauvin de la marque aux 4 anneaux dont on a appris l'officialisation cette semaine, malheureusement, de la fin de la branche Customer Racing d'Audi Sport, ce qui va laisser pas mal d'écuries et aussi de pilotes un peu sur le carreau de ce qu'on dit. En tout cas, il y avait une... un article complet sur le site Endurance Info hein, de Laurent Mercier bien sûr et toute son équipe que je vous invite à consulter. Et voilà, c'est une page de l'histoire du sport auto pour Audi qui se tourne du coup avec la fin de cette branche Customer Racing pour Audi Sport, tout ça pour se focaliser sur la Formule 1. Bon voilà, hein, chacun ira de son avis sur la question. Et salut Fred59TV sur le chat, nous dit elles sont où les livrées? Première nouvelle, je ne savais pas qu'il y avait des livrées. Bon, ça valait la peine de me prévenir, ça du coup. ça aurait été peut-être bien. Parce que du coup, je n'ai rien de tout ça. Et comment qu'on fait pour les installer? Je ne sais même pas. Donc là, ça va être très pratique. En même temps, voilà, je fais un peu mon retour sur Assetto Corsa Competizione. C'est pas comme si ça faisait 6 mois qu'on n'en avait plus. Donc du coup, il faut réapprendre un peu les rouages de l'histoire. Donc, alors attends, on va essayer de faire ça comme il le faut. Pendant ce temps-là, René, évidemment, en régie, qui est en train de se dire, ça y est, on demande encore faire quelque chose que je ne sais pas faire ou que je ne connais pas.
Donc si quelqu'un a un petit explicatif de comment qu'on fait, je suis preneur, hein, évidemment, parce que là, voilà, on fait ça un peu à la one again, hein, mais bon. Et même moi, je pourrais pas te dire, donc... Ah bah c'est pour dire quoi, donc... Alors je viens de trouver le pack, voilà, merci à Laurent Rollet qui est sur le chat, alors j'ai trouvé, mais maintenant après, où c'est qu'on va placer tous ces machins là? Attendez, on va faire... Est-ce qu'il faut qu'il faut peut-être que je quitte la session du coup aussi, sans doute. Peut-être. Bon, on va quitter. On va la quitter juste le temps de faire cette petite intervention technique. Du coup, voilà, désolé, hein, mais encore une fois, on est un peu pris de court là. Je vais pas vous le cacher. Ça aurait été pas mal de nous prévenir quand même à l'avance. Voilà, parce que ça normalement, c'est on doit être informé de cela. Pas nous à faire ça en dernière minute à découvrir par nous-mêmes. Voilà, je préfère préciser ça la chose très clairement. Voilà. Alors. Du coup, hop, on va faire ça. Alors, dans nos cuins. Ok. Bon, bah, on va voir si ça va fonctionner, hein, parce que si ça fonctionne pas, après. Voilà. On va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut, comme on dit dans ces cas-là. En tout cas, profitez-en, n'hésitez pas à interagir, bien sûr, sur le chat, comme d'habitude. Puis aussi, tout simplement, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, notamment, toute l'actu de la chaîne, vous vous retrouvez en temps réel. La page Instagram qui est très active. Attention, il y a du contenu qui va arriver d'ici très, très peu de temps. Et franchement, ça va valoir son pesant de cacahuètes. Twitch, bien sûr, pour suivre toutes les diffusions, toutes les retransmissions de la chaîne, donc les programmes Sim Racing et de divertissement qu'on aura cette année, enfin cet été plutôt. Et puis, bien sûr, aussi la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous les replays disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement, mais par contre plusieurs heures après les diffusions live. Mais si vous êtes plus pressé pour retrouver les replays, dans ce cas-là, bah, vous n'avez qu'à simplement sub à la chaîne sur Twitch. Je vous rappelle, c'est gratuit pour ceux qui ont Prime, sinon c'est 3,95€. Ça vous coûte pas grand-chose. Et en plus de ça, vous avez accès à du contenu ultra qualitatif, badge d'abonnés, emojis exclusifs, retransmission sans coupure pub. Bref, la totale de quoi être bichonné, chouchouté au sein de la chaîne de référence du sim racing francophone. Donc ça, c'est quand même pas rien. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Maintenant, j'ai mis tous les fichiers, apparemment. Donc là, ça devrait être bon. En théorie, on a encore 2 minutes. Visiblement, on va à la fin du temps réglementaire d'attente avant la course. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Évidemment. N'hésitez pas à me faire des feedbacks, hein, si jamais il y a quoi que ce soit qui ne va pas. Ah, j'ai perdu ma souris encore. Voilà, donc c'est bon. Voilà, ça y est. Merci René. Ah, notre cher René. Il faut parfois un petit peu le malmener de temps en temps. Hein, ah, ça bah va. Ça. Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, j'ai pas tout à fait l'impression. Ou alors, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Alors, on va voir. Alors, est-ce qu'on a un pilote exemple, entre guillemets, ou cobaye pour savoir qui a sa livrée et qui ne l'a pas? Si quelqu'un a des noms, ben, n'hésitez pas à nous les communiquer sur le chat. Vous vérifiez. La 85. Alors, la 85. La numéro 85. Donc, celle de Kaiser 59. Alors, bon, là, ici, vu la caméra... Ah, ben oui, voilà, je pense que là, ça a fonctionné, là. Oui, là, oui. Bon, normalement, si ça a fonctionné pour un, ça devrait fonctionner pour tout le monde, je suppose. Voilà, nickel. Eh ben, merci, Fred. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait plaisir. En plus de ça, quand c'est main dans la main, avec l'aide de nos abonnés, c'est encore mieux. Donc, merci, en tous les cas, pour le coup de main. Ah, ben, on est réactif, ici. Bah, il faut, hein. Mais quand même, comme j'ai dit, hein, chaîne de référence, c'est pas pour rien. Hein. C'est justement parce qu'on est à votre écoute et qu'on fait tout ce qu'il faut. Du coup de ça, ben, voilà, on vit la course intensément ici. Également, comme il se doit. Et une course qui va faire 1h15, 75 minutes. Et dans des conditions assez nuageuses, hein, quand même, quand on y voit un petit peu. Ah, en même temps, on est un peu en Angleterre, donc pour le coup... Alors ça c'est presque pas cliché, hein, du coup, mais bon. À peine. À peine, juste à peine. Bon, tant qu'on n'a pas les orages qu'on a eu ces derniers jours par ici dans l'est de la France, bon, je vous rassure tout de suite, nous on a été épargnés, hein, au sein de la chaîne. Enfin, sauf moi qui me suis ramassé une bonne douche en revenant du travail à moto. Ben oui, hein, il va falloir bien que je sois baptisé ainsi. Mais bon, ça fait partie de l'expérience, on va dire comme ça.
La grille de départ, donc, commençons par Soufiane Hammam, en l'occurrence sur Aston Martin, qui s'en sera depuis la pole position. Un petit tapis sonore musical, mon cher René, ça peut pas faire de mal. Exactement, voilà. Julien Guérin, ensuite, sur Mercedes, s'élancera ses côtés en première ligne. Deuxième ligne pour Salim Ramoun sur Ferrari, aux côtés de David Garbini pour la OSR sur une autre Ferrari. Romuald Van Niemen sur Lamborghini, aux côtés de Laurent Rollet, qui lui est sur BMW. Jérémy Jorissen sur Ferrari, ensuite aux côtés de Jason Corave sur Porsche, qui était déjà là la semaine passée d'ailleurs. Damon Martin sur BM aux côtés de José Equinox, attention à la prononciation, oui. Hein, mon cher Jérémy, lui sur McLaren. Ensuite la Nissan d'Alexis Vogel aux côtés de Stéphane, non il est sur Porsche pardon, Stéphane Vogel, Alexis Vogel pardon, et Stéphane Félicite, ensuite lui sur là, bah, tout simplement Nissan. Là ensuite McLaren pour Zicto, à la bonne foi, lui est sur Porsche, sur la 7ème ligne. 8ème ligne pour Kaiser 59 LDV, donc sur Porsche aussi, aux côtés de Jonathan Austin, qui lui est sur Mercedes. On est bien d'accord? Non, il est sur Porsche. Il est sur non, Porsche. C'est une Porsche. Voilà. Oui, c'est une Porsche. Porsche. Ouais. Ah bon, voilà. Ensuite, la BM de Christopher Bellamy, aux côtés de ATX Bang sur Audi. Martin Liber, ensuite sur notre Porsche, aux côtés de Yann Carbonari, qui lui est sur Ferrari. Puis après ça, on a Eric Thune, aux côtés de Torsen76, Pierre Lacroix sur la 12ème ligne sur Porsche, aux côtés de Ronan Leblon. Cole Trickle, eh oui, attention, Cole Trickle est en piste ce soir sur McLaren. Loïc Lolo ensuite sur BMW. Puis Rock Tanière, Roséou Tanière, ouais, bah dis donc, sur Ferrari. Et enfin, Michael Poualalec sur Porsche. Eh oui, bon, il n'y a pas de voiture NASCAR hein, sur la piste, même si on a Cole Trickle. Hein, ça ne sera peut-être, ça va peut-être être jour de tonnerre pour les pilotes sur la piste, qui sait. Hein. C'est bien, quoi. Ça, c'est pas impossible non plus. Voilà, vous découvrez la tour sur la gauche de votre écran, bien évidemment, pour ben, ainsi retrouver vos pilotes favoris. Et dans quelques secondes, eh ben, cette épreuve, plutôt cet événement, va démarrer. Attachez bien vos ceintures chez vous, chers abonnés, chers spectateurs, parce que la course, elle démarre dès à présent. Ça y est, c'est parti. Et avec un bon envol pour le moment pour Soufiane Hammam, hein, donc qui avait la libre de leadership, mais déjà la grosse chose derrière pour Julien Guérin dès le premier virage. Alors attention, attention au retour en piste. Ça va, bah, ça a plutôt l'air de bien se passer à petite vitesse au petit trot. Mais déjà une première alerte dès le départ de cette course. Et hop, 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 ça part à l'accident derrière apparemment. C'est le carnage du côté de l'épingle de druide. Il y a des voitures un peu de partout là. Aïe aïe aïe, ça c'est effectivement bon. Il fallait peut-être craindre un tout petit peu sur le départ avec pratiquement une trentaine de voitures en piste qu'à un moment donné ça n'aille pas un tout petit peu s'accrocher aussi, s'écharper. Tout à fait. Bien symptomatique, donc cours GT3 où il y a du monde, tout simplement. On est sur un circuit comme celui-ci, en plus de ça, ça n'aide pas non plus. Là ici donc pas vraiment de changement devant. On va dire que celui qui a perdu le plus, alors j'ai essayé de vous trouver cette je crois que c'est celui qui était en deuxième position si je n'étais pas bêtise. Bah là, du coup oui c'est ça hein, Julien Guérin en effet qui lui est retombé, il est 22e actuellement. Après donc cet accrochage qu'il y a eu du côté de virage de Paddock Hill. La fin du premier tour avec Soufiane Hammam, Salim Rehamoun, Romuald Van Niemen, Laurent Rollet, Jérémy Jorissen, ensuite David Garbini, Clément Martin, Jason Corave, Tezicto et puis Alexis Vogel qui complète ensuite Vogel. Pas quelle est la prononciation exactement, n'hésitez pas à me corriger là aussi de ce côté là sur le chat bien sûr. Je crois qu'on dit Vogel mais je suis pas sûr. C'est parce qu'en néerlandais, Vogel, ça s'écrit comme ça, hein, pour désigner les oiseaux. Mais là, je pense qu'à mon avis, il est français. Il est franco-oui, oui, bien évidemment. Oui. Alors que c'est passé pour José Equinox sur Stéphane Félicite. Oui. Donc la McLaren qui passe devant la Nissan. Dépassement aussi pour Christopher Bellamy, ici, sur Pierre Lacroix. Et puis Julien Guérin, qui forcément va tout faire pour remonter le plus rapidement possible. Ouais, et on a quelques belles livrées là, donc Oui. Et Jason Corave qui passe Clément Martin. Allez, bah voilà, changement aussi pour la
pour la 7ème place. Exactement. Alors on va essayer de visionner ça à la fin de l'action. Oui, voilà, c'est sur le virage de Haussand pour le coup. C'est ça. Alors, on va peut-être voir le replay de, du dépassement. Voilà. Oui, à l'intérieur. Ah ben voilà. Parfaitement géré, négocié. Ici pour le coup. Donc de la part de Jason Korav sur cette Porsche. Meilleur temps tour pour Soufiane Hamam. Hein. Bien sûr, vous avez toutes les infographies aussi qui apparaissent assez régulièrement. Et j'ai quelqu'un qui continue. Hein. Déjà remonté 18ème. Hein. Il n'arrête pas. Alors que c'est passé aussi pour tout simplement Michael Poulalek sur Roktanier Rosetou. Rosbater, pardon. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé tout. Rentre au stand. Ouais, pour Loïc Lolo. C'est ça. Loïc Lolo 2030. J'ai une vision sur le futur, peut-être, qui sait, hein, vu le chiffre dans son pseudo. Alors je salue Romain de la OSR. Je salue aussi Sparco 40 RTS. Alors je roule avec quoi comme bécane, on me demande. Bah, j'ai envie de vous dire, je vais faire un peu du teasing. Si vous allez sur la page Instagram de la chaîne dans les prochaines heures et dans les prochains jours, si vous n'avez pas suivi totalement, ben vous serez mis au courant. Voilà. Normalement, peut-être un peu. Enfin, beaucoup le savent déjà, pour ceux qui me suivent déjà sur Insta. Mais là, ben, vous en saurez un petit peu plus. C'est une shooting photo réalisée il y a tout juste une semaine, en plus de ça, du côté de Strasbourg et de la forêt noire allemande, en l'occurrence, parce que je vous rappelle que désormais on a les pavillons, c'est là ça passe derrière pour Stéphane Félicite. Oh là, attention, et José Kinox aussi là, qui était dans la bataille. Et grosse bataille entre Alexis Vogel pardon, et Tezicto aussi pour la 9ème place. En tout cas, Alexis lui met la pression, en tout cas. C'est ça, le pilote de la NRT, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien vu sur ça. Vu la livrée, je pense, oui, en effet. Alors, salut Bertrand Montenot, salut de l'Australie. Et oui, maintenant, okay, puisqu'il est désormais au pays des corps, là, un peu large. Le pilote LMR, justement. C'est ça. Ça va permet. Ça ne passe. Non. Ça passe. Non, ça ne passe pas pour l'instant. Eh ben non. Il résiste le pilote LMR là pour l'instant. Pas de quoi dépasser pour le coup. J'ai peur qu'il met la pression tout de même. Et derrière, on a Julien Guérin qui vient de passer 14ème. Hein. Il est déjà remonté comme un coucou là. Ah bah, Julien Guérin, un très bon pilote sur Assetto Corsa. Ah bah la preuve en est en faisant cette remontée. Il y en a un qui revient aussi, c'est Salim Ramoun sur la Ferrari qui rattrape Soufiane Hamam, le leader de cette course pour l'instant. Attention du coup messieurs. Hein, là... Ouais, ça se bagarre à tous les étages. Exactement. Alors, Martin Libert qui aurait été au ralenti, peut-être une petite excursion hors piste de sa part. Et attention aussi avec l'Audi Alexander Datex Bang. Ouais, hein. On vous disait, hein, Audi Customer Racing qui va s'arrêter. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura plus d'Audi en course. Hein. Ça, c'est important de le préciser. C'est pas parce que la branche Customer Racing d'Audi Sport stoppe ses activités que toutes les voitures vont être mises hors circuit. Non. Les voitures Audi R8 LMS pourront continuer d'être utilisées par les écuries privées. C'est juste qu'elles n'auront plus le soutien ou le support de la part d'Audi Sport officiellement. Donc, c'est aux écuries elle-même de gérer les voitures, autrement dit. C'est plutôt ça que ça veut dire. Oui, là derrière on a un petit paquet là. Ouais. Et à mon avis, c'est quelque chose parce que avec les drapeaux orange là qu'il y a sur le côté, à mon avis, il a dû se passer quelque chose. Alors on va revoir justement, on va s'enquérir un peu de nouvelles ici avec ATX Bank, qui est un tout petit peu large. Et du coup, ouais, c'est un petit peu, on va dire, l'animation dans le peloton. En direct, et pendant ce temps-là, il y a peut-être le dépassement pour là, ici la sortie pour Eric Thune, là, ici avec la voiture aux couleurs Mat Panda Motorsport. Oui, que j'ai croisé moi d'ailleurs. Qu'on a vu en 24 heures de spa, hein, de toute façon. Oui, mais moi j'ai croisé le camion. Donc... Ah, oui, sur sur l'autoroute en rentrant. Ah, effectivement.
Bon, toi t'avais ça, moi j'avais les Lamborghini Aenza et CV12. Bon, voilà, c'est. Oui, bah j'aurais préféré avoir ça que. Ah bah tu m'étonnes, oui. Bah, on les voyait pas, on voyait juste le camion, c'est tout. Hein, Oui, bon, elle les a entendus en piste, c'est déjà ça. ah, ça oui. Sur la Bundesautobahn Ein, en l'occurrence, qu'on avait croisé les camions en allant direction Saarbrücken. Ou Saarbrück, si vous voulez dire, à la France. Ouais. Il est proche, hein, Salim Raoum. Ouais. Raoum. Cette Ferrari 296 GT3 qui fait, je trouve personnellement, en tout cas c'est l'observation que je faisais aussi durant les Cross Strike 24 heures de Spa, elle fait beaucoup moins de bruit que les générations précédentes. Oui. Et Les limite un peu trop 488. sourde, je trouve. Ouais. Bah, c'est surtout que c'est passé d'un. Je crois que c'était. Les 488 c'était un V8, si je dis pas de bêtises. Et là, je crois que c'est un V6. Ah bah ouais, ça pourrait expliquer du coup le. Quelque part la bride auditive qu'on a sur cette voiture. Ce qui est un peu dommage parce que bon, voilà, nous on aime quand ça fait du bruit et je pense Ouais, que vous c'est aussi ça, c'est un les abonnés. V6, exactement, c'est un V6 biturbo. D'accord. Ceci explique cela. Bah oui, hein. Les Eh oui. considérations écologiques, tout ça, machin. Ouais. D'être gentil, hein, mais voilà. Oh, attention, sortie pour Texbang avec l'Audi. Ouais. Hop Mec, là, il hop a là, du attention, mal, attention. hein. Il perd des places. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, il y a d'autres dépassements. Oh là, ouais, déjà, il y avait une Porsche devant qui était en perdition un tout petit peu. Ouais, c'était ça devait être celle de Pierre, à mon Et avis. puis là, Ah, ouais, la petite glissade à l'arrêt Axel, ouais. belle petite frayeur en effet, mais sans frais, heureusement, pour le pilote de cette Audi R8 LMS Evo 2. Je rappelle, puisque c'est. Ça se reconnaît à l'aileron arrière hein, par rapport à Mais la version originelle de cette génération-là d'Audi R8 LMS, parce que, évidemment, des R8 LMS, mais deux générations différentes. On retrouve Stéphane Félicite avec Godzilla. Du coup, hein. Godzilla, ouais. Décidément, attention, José Equinox ici! Ah, Ouais, bah bah oui, oui. c'était sûr que ça ne passait pas à deux, hein. Ah, ouais, non. Attention, Hop oh. là! Hop, 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 hop. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Ouais. C'est pas tout à fait une bonne tondeuse. Hein. Là, la Porsche, malheureusement, hein, Bah non. ça fait un peu cher pour une tondeuse. Hein. Alors, imaginez un Oui. jour une Porsche avec un moteur brisé Straton, alors qu'il y a eu un changement de leader pendant ce temps-là. Je crois. Non, pas du tout. Non. Bah non, toujours My pas. bad. Par contre, Pierre Lacroix. Oh là! Où est-ce qu'il est là? Avec une Porsche là aussi, et au même endroit que là où c'était sorti il y a quelques instants, un de ses collègues en Porsche aussi. Ouais. Voyons, alors est-ce que ça c'est. Ah, le coup de Ah, raquette. décroché, ouais, le coup de raquette, et boum, ça a été en plus touché le rail extérieur. Malheureusement pour Pierre Lacroix, alors que Julien Guérin vient de passer chez Equinox. Julien Guérin qui est Okay. déjà à hauteur Ouais, du top déjà. 10. Déjà. Bah, il est dans le top 10. Bah oui. Il est dedans, en effet, là, maintenant. Avec alors je vois pas le nom de son équipe, mais Alors, Julien Guérin. j'ai l'impression que ça me dit quelque chose, mais Ah. Alors, j'essaie d'identifier comme ça, mais c'est vrai qu'on est un loin là. Ah, est-ce que ce serait peut-être. Alors on parle de RTS sur le chat, alors je sais pas si c'est pour Julien Guérin lui-même ou si c'est pour d'autres pilotes. non. Bah pour d'autres pilotes à mon avis, parce que bah c'est il y a Romuald Van Bah Niemen qui Romuald fait Van quoi. Niemen, en effet, il fait partie de cette équipe. Du coup, ouais, c'est plutôt. Je pense que Sparco en l'occurrence. Sparco avec un K, attention, hein, là aussi, à Oui. l'orthographe. Parce qu'avec un C, c'est autre chose. Attention, drapeau bleu aussi. Ah, bien sûr, hein, ça, les retardataires. Il y a Clément Martin aussi, voilà, qui fait partie de la RTS également. Oui. Je précise, rien à voir avec la télévision suisse publique, hein, évidemment. Oh, ah, il va y aller, là, il va y Il aller, va y Stéphane aller. Félicite. Ben là, on reste side by side. Et il va avoir l'avantage. Eh ben oui. José Equinox qui n'a pas plus insisté. Non, mais il va peut-être Ah, décroiser pour le coup. Attention, attention. Là Mais je ici, crois en que la entrant dans la vue. forêt.
Ouais, je crois que. Bah non, il a une meilleure vitesse de pointe. Elle respire mieux, la Nissan. Ouais. Comparé à la McLaren 720 GT3. Du coup, on pourra le féliciter pour le coup pour ce beau dépassement. Alors celle-là, par contre, là. Oui, bon, elle était facile, je sais. Elle était facile. Ah, bah ça, après, voilà. C'est... Il a fait un beau dépassement, donc voilà. Oui, effectivement. Julien Guérin, on constate qu'il est. Ah, oui, qui remonte, hein, lui. Oh, mais il est pas venu pour enfiler des perles, hein. Ah, clairement. Non, clairement pas, hein, très clairement. Alors qu'il y a eu dépassement à l'instant pour Laurent Rollet sur Romuald Van Niemen. Alors, oui. Oula, il y avait un petit écart. Aïe, 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 est-ce qu'il n'aurait pas été. Ça a chassé du cul pour la Lambo. Ouais, et du coup, c'est ceci qui explique le dépassement. Alors qu'il y a une sortie, Oh là là, où il y a du monde. Alors, on a Ronan Leblanc. On a également Jonathan Austin. Bah, il ne fait pas beau être en Porsche ce soir, j'ai l'impression, quand même. Ouais, et je crois qu'on avait même que notre cher Kaiser aussi. Alors, je vais essayer de voir. Alors, déjà. Enfin, en tout cas, c'est Ronan peut-être. Leblanc, Jonathan Austin. Ah, c'est dans la même action. Oh, pouf. Allez, ici, c'était tout tapé. Et Kaiser. Kaiser, qui était au ralenti, je crois. Oui. Non. On va essayer de voir. Essayer de voir dans le même temps. Kaiser, du coup. Ah, il a fait une petite excursion en effet dans le gazon là ici un peu avant la fin de la portion GP. Et du coup il s'est fait doubler par quelques pilotes de ce fait. Et du coup un peu de dégâts sur la voiture de Jonathan Austin là ici qu'on a l'image actuellement. Oui. Et ça remonte encore hein, pour Julien Guérin. Et là, ouais. Grosse bataille aussi. Ah oh, ouais, là, ici, entre Atex Bank, Kaiser et Eric Thune, juste devant, là. Ouais, pour la 19e place. 19, 20 et 21e, en effet. L'avantage pour l'instant de la voiture du Mad Panda Motorsport. Oui, qui est très joli d'ailleurs. Ah bah oui. Le Mad Panda, le Panda Vénère, comment. Vénère, ah oula, oui, ça parle jeune, si, attention, mesdames et messieurs, là. Ouais, j'essaie de me sentir jeune encore une fois, donc bon. C'est bien d'essayer, effectivement. Alors, pour information, on a la numéro 126, donc la voiture d'Alain Bonnefoy, jugée responsable d'un contact avec la numéro 93, donc la 93, autrement dit, la voiture de José Equinox, et donc 2 fois 5 secondes de pénalité. Ok. Information nous donne Tony Rasca gère la LMR et qui gère aussi ces événements. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une commission de course en temps réel. Il faut le savoir. Et... Oh, et là, Martin Libert. Ouais, Martin Libert avec Torsen 76 aussi. Encore une Porsche dans le mal. Hein. Encore une Porsche dans les difficultés. Hein. Les Porsches ne sont pas à la fête. Je te ah, ben clairement pas là. Et je crois qu'il se bat tout seul. Ouais. Il y a eu contact. Oh, par contre, heureusement que personne d'autre n'a été percuté quand même. Ouais. Et il y avait bien Torsen 76 dans la même action. Bien vu, Jérémy. Il a l'œil, notre cher. Ah bah, j'ai toujours l'œil. Et là, par contre, là, ça a été touché, là. Hein, entre. Ouais, ça va en plus continuer derrière. Oui, bah forcément, oui. Avec Clément Martin, notamment. Ouais. Tezicto aussi. Ouais, Tezicto qui peut-être freinait un peu tard, je pense. Ou alors qui s'est fait surprendre au freinage. Mais qui a tout de suite ralenti, hein, justement, pour. Attendre Ouais, pour attendre justement Clément. Ah, bah oui, mais c'est le mauvais angle hein, là. Et puis alors, par contre, derrière, bah oui. Là, il a peut-être traversé la piste un peu trop vite, là, je pense, Clément Martin, sur le coup, parce que là, la pauvre Nissan de Stéphane Félicite ne pouvait pas forcément l'éviter sur le coup. Non. Bon. Julien Guérin, une saison de Corave ici qu'on retrouve. Bien sûr,
Vous interagissez sur notre chat live. Clément Martin, une nouvelle fois en difficulté. On va revoir ça dans un instant. Mais d'abord, le dépassement de Julien Guérin ici sur Jason Corave, c'est passé. Maintenant, puis de Clément Martin. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ici? Difficulté, à mon avis, je pense. Et maintenant, c'est en direct Eric Thune aussi qui est en difficulté. Ah oui. Ouais, c'est une excursion hors piste tout seul. Ok. Et alors, pour Eric Thune, s'il vous plaît, la régie, on reste en replay. Eric Thune. Ouh là 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 là. Oui, et... Oh, bah, il s'en sort bien. Ah bon, il s'en sort bien, là, quand même. De repartir dans le bon sens. Un beau 360, ouais, effectivement. Ah oui, là, oui. C'était plutôt bien géré. Alors on avait aussi Monsieur Austin. Mmh. Jonathan de son prénom. Pourquoi il y avait drapeau jaune? Ah, il a été au ralenti, il laissait passer. Un drapeau bleu, les ouais. C'est quelque chose, non? Ouais, non, déjà sorti tout ça, non? Donc Et à mon avis, ici. Voilà. Ah non, quoi que même pas. Non, il n'y a rien eu. Okay. C'était un drapeau jaune, peut-être parce qu'il était lent pour laisser passer. Ah, possiblement, oui. Les pilotes leaders, je pense. Possiblement, en tout cas. Kaiser 59 qui vient de passer Yann Carbonari hein, pendant ce temps-là. Mm. Il vient de la 15e position. Une Carbonari à l'esploum. Ouais, et Julien Guérin qui. Oh, la grosse sortie! Grosse sortie! Alexis Vogel et Stéphane Félicite là! Alors où est-ce qu'on est là ici on est à Paddock Hill. On est à Paddock Hill en plus. Aïe. Qu'est-ce qui devrait arriver à tous les deux là? À mon avis. Oui. Oh, la Porsche oui. qui la perd au frein et qui du coup embarque la Nissan sans le vouloir, sans doute. Ouais. Je me demande si justement la Porsche n'a pas freiné un peu plus tard justement pour essayer de faire les freins. Mais malheureusement... Alors on va voir avec cette caméra aérienne, peut-être que... Oh là, oui, il freinait beaucoup trop tard. Et du coup, malheureusement, voilà, oui, la conséquence, elle est immédiate. Donc, si Ramoun fait le meilleur temps... Ouais, qui se rapproche justement pour batailler oui. avec le leader. Moment un peu tendu. Et oui, forcément, Stéphane se félicite hein, qui est au ralenti avec sa Godzilla est blessé là pour le moment. Mmh. On va mettre un petit pansement sur ses pattes parce que là, pour l'instant, ça va pas trop. Non, on tire la gueule un peu. Et hein. Un autre pilote qui est sorti, c'est Rock Tanière Rosuétard. J'ai réussi à le dire d'un coup. Alors, on va voir. Torsen 76 maintenant en direct qui sort aussi. Alors là, voilà. Perte de contrôle. Oui. Alors ça a pas tapé j'ai l'impression. Ah si, si peut-être. Ouais. Si ça a tapé. Bon, l'angle de vue n'est peut-être pas le meilleur, ça je le conçois, hein, mais bon, hein, on fait comme on peut. Hein, là ici. Ouais, de côté. Bon, ça va encore. Ça va encore. Ouais, il a tapé l'arrière gauche. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. Et c'est à la sortie, bah justement, de pas de kill. Ouais. Ce virage n'est vraiment pas facile, hein, très clairement, parce que vous arrivez sur un virage en appui. Mmh. La pluie. En appui, oui. Bah c'est très britannico-britannique, tout ça, oui. Oui, tout à fait. Et non, c'est vraiment un virage en appui, virage à l'aveugle en plus, et virage descendant aussi par la même occasion. Donc, ouais, vraiment, je pense, l'un des virages les plus compliqués du circuit. Ouais. Oh. J'ai presque envie de dire qu'il faut en avoir dans le sidebar hein, quand même pour le passer comme il faut celui-là. Ah bah oui, quand même. Virage où Jacques Lafitte avait eu un gros accident d'ailleurs en F1 dans les années 70, si je dis pas que c'était dans cette décennie là, il me semble, 70 ou 80. Et Julien Guérin qui est revenu hein, aussi, qui est toujours derrière David Garbini. Attention, on a Pierre Lacroix.
dans le bac. Ouais. Et à Un mon peu avis, avant ça la va fin de être la section GP, je pense. Hein, Ouais. donc, que ça se fait. Ah, Et bah, il voilà. vient de Tau dans les stands. Donc, à mon avis, possiblement un abandon. C'est à craindre, effectivement. Alors. Ouais, c'est Ah, Et bah, oh, encore un c'est. coup de raquette! Et là, ça a été tapé aussi. Ouais. C'est sur le virage de Schinkerv, justement. Pardon, excusez-moi pour un Eh. petit peu ma voix un petit peu enrouée. Il y a un petit chat dans la gorge, notre cher Jérémy. Ouais, C'est un terminé petit, oui. pour Pierre Ouais. Lacroix. Hein. C'est définitivement Et à terminé. mon avis, ça va terminer aussi pour Stéphane Félicite aussi, je pense. Non, non, il est toujours rempli. C'est la reprise d'ailleurs. Et ça passe pendant ce temps-là pour Julien Guérin sur David Garbini. Ah oui, voilà. Oh, on n'hésite pas à utiliser toute la Ouais. largeur de la piste hein, pour le pilote Ouais. Mercedes. Et tout ça va peut-être toujours pour la première place, hein, entre Sofiane et Salim. C'est ça, entre l'Aston et la Ferrari. Et sa bataille aussi derrière entre Laurent Rollet et Romain Van Liemen, hein, aussi. Également. Alors, on va essayer de naviguer un petit peu entre ces deux duels-là qui se présentent à nous pour l'instant. Et je crois que Lambo qui aborde une livrée un peu style Kraken comme ça. Donc, moi je Livrée de sais la pas si FTS, ça. justement. Ben, Oui. Hello, hello. comme là, justement, Julien Guérin, un tout petit peu aussi. Et Clément, Martin. Ça fait pas de Clément Martin, bêtises. ouais, c'est ça, Pendant ce Guérin. temps-là, on a notre cher Ludo du Pesé qui nous fait une petite, un petit passage pendant sa période estivale assez animée, assez mouvementée, chargée, surtout, on va dire, quand même. Entre Yes. l'un ou l'autre voyage, hein, aussi, hein, petit vénard que tu es là. Ouais, Tes quand on photos de Fuji m'ont vraiment mis en appétit celle-là par contre. Hein. Là j'étais. Voilà, j'avais vraiment faim à ce moment-là. déjà en tout cas, bah, ravi de revenir. Ça faisait un petit moment et C'est content d'être là. vrai. Bonsoir à tous et à toutes. Et ouais, bah Fuji, ça me fait marrer parce que c'est même pas pour faire de la promo. Mais quand je suis arrivé là-bas, le premier truc que j'ai dit, putain, mais en fait, c'est comme dans Gran Oh, pendant ce temps-là, attention, je Ouh t'interromps là juste parce là! que là, double sortie, Tézikto et Alain Bonnefoy. Aïe, Violent en aïe, aïe, plus. aïe. Ouais, ça a l'air d'avoir quand même bien été au contact et bien tapé également. Alors. Alors, pourtant, le pilote McLaren était quand même relativement assez loin, ou alors c'est peut-être parce qu'il y a Il était un. au ralenti, là, j'ai l'impression. Alors, Ah, la ils se Porsche, sont. là, qui part de travers. C'est bien raté. Ah là là, il vient Ah, repiquer en dommage. chute. Dommage. Ah là 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 C'est là. dommage parce que c'était super bien rattrapé de la part du pilote Porsche. Ben oui. Malheureusement, ben, cette dernière, on a décidé autrement. C'est les aléas de la course. C'est ça. Et Romuald Van Niemen qui vient de se faire doubler par Laurent Rollet. Ah ben c'était juste avant. René, c'était un peu plus tôt. Oui, René, mais il il était arrive là. déjà Rommel était déjà quatrième à ce moment-là. Donc, je crois qu'il y Ah avait ben eu justement. il y avait bataille et pendant ce temps-là, le Voilà, on dépassement revoit. de Ah, il y avait Julien une Guérin, oui, voilà, effectivement, qui est passé petite. sur Jérémy Jorissen. Et là, voilà, c'est ici que ça s'était fait. Voilà. Propre comme il faut, je vous l'ai dit. Ah oui, bien. Pendant ce temps-là, Bertrand Montenot sur le chat qui te salue, bien sûr, Ludo, en te disant Yo, boss. Bah oui, hein, forcément. Le respect envers sa hiérarchie, attention, hein, ça c'est toujours comme ça. Australiens de nos consultants maintenant. Ouais, exactement. Maintenant, il est à l'autre bout du monde, c'est plus la même chose. Ah bah non là. On Là est il est tous très très tôt tristes. là pour lui là quand même. Ouais. Ah bah oui, Il lui, il doit être quelle heure? Il doit être Ah bah je vais vous le dire de suite. Là, il est Il est actuellement depuis 8 heures 6h10. Ah bah voilà. Du matin. Bien sûr. Ah oui. Hop là! Michael On Poulelec, pourrait. Eric Thune. Oh bah Là, oui. décidément, les Porsche là. Et Romuald Ouais, Van mais. Niemen qui vient de se sortir aussi. Il était dans la même action. Aïe 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 Oh aïe aïe aïe. papa, là, ouais, là, il y À mon a. avis, il a dû se passer quelque chose. Et du coup, ça permet à Julien Guérin de. Et ça rentre au stand. Pour Romuald. Pareil pour Jérémy Jorissen. Et à mon Bon, avis, il a alors. dû.
passé quelque chose. Bon, là, ça bah, a voyons été. tout ça, oui. Alors, il y avait déjà la Porsche là, qui était un peu en perdition. Alors, Eric Tunis Ah, qui a ouf. le toucher. J'étais un petit peu optimiste. Hein. Et puis, alors, Romuald Van Niemen qui arrive à ce moment-là. Oh là, oh là là! Ah, c'est dommage parce qu'en fait, il y avait Laurent Rollet qui était parti à la faute aussi. Et en fait, Romuald l'a perdu aussi par le même moment. Hein, on voit que la BM a vraiment sorti large. Et voilà, en fait, il était dans l'herbe. Et c'était passé pour Romuald, mais il a fait une erreur par la suite, ce qui a permis à Laurent de reprendre, de garder sa place. Et bah, il vient de se faire dépasser à l'instant par Julien Guérin. Ouais, bah oui, effectivement. Et pendant ce temps-là, on a Romuald Van Niemen qui est au stand. Hein. Allez, ça s'agite un peu là sur. Ouais. Sur cette fin de première demi-heure, là, on va déjà avoir fait une demi-heure dans cet événement. Alors que sortie pour Rock Tanière, Rose Bétard, là, ici, à Paddock Hill, également. On dirait un certain François Pignon dans le dîner de compte. Ça n'arrête pas ce soir. Une bataille pour le top 10 aussi. Ouais, effectivement. Eric Thune qui lui. Ah bah. Oh attention la marche arrière. C'est bon. Ouf. Il joue quand même à se faire un peu peur là ici. Dans cette fin de portion GP. Le mat panda là. Le panda il était vraiment pas content visiblement sur le coup. Tout seul. Ouais, là, exactement là, au même endroit que tout à l'heure. Hein. Bah ouais. René qui est en train de se dire, ah bah ça va, je vais avoir de la matière première pour le générique de fin. Ah oui, hein, René, bien sûr. Hein. Ça, c'est toujours comme ça. Toujours. Toujours la lutte en tête entre Soufiane Hammam et Salim Hamoun. Du coup, ce petit séjour. Alors, c'était pour une course de 24 heures, hein, en l'occurrence. Ouais. C'était ma première d'ailleurs. Ouais. Honnêtement, avec l'adrénaline et tout, c'est pas. Enfin, c'est dur. Je comprends maintenant. Je comprends mieux au Mans quand les gars commencent à faire des erreurs vers 5-6 heures du mat. C'est vraiment l'heure où tout le monde pique du nez entre 4 et 6 heures du mat. Après, ça va. Avant et après, ça va, honnêtement. Mais ouais, c'est impressionnant. Après, bah, le Japon, c'est notre culture. Oh là, hop là. Ah ouais, bah là c'est Martin Liber qui vient de se déclarer à l'abandon. Je crois qu'il y a eu contact avec Julien Guérin, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai l'impression. Alors. Alors bien sûr on arrive à la fin d'action. René, mais qu'est-ce qu'il nous fait René? Ah mais il est aux fraises ce soir ou... Ah bah il nous dit à celle d'Alsace alors dans ce cas-là. Bah oui forcément. Hein, ça, c'est... Ouais, c'est surtout pas celle de Charlotte. Hein. Voilà. Oh bah de mieux en mieux ici dis donc. Il y a du niveau, je vous le dis, il y a du niveau. Et dans ces cas-là... Posez votre bière Gisèle. Merci, voilà, merci René. En fait, il était déjà en difficulté. Ouais. Et puis derrière, bah, c'est justement Julien Guérin qui faisait sa remontée, qui n'a malheureusement pas pu l'éviter. Ouais, du coup, ben, comme tu disais, hein, Fuji, nouvelle expérience, parce que c'est quand même le Japon, c'est notre culture, même c'est notre façon de faire la course. Ah oui. Donc pas mal d'apprentissage pour moi, mais bon après à la fin la course ça reste de la course, donc on arrive tous à se comprendre. Et franchement j'ai vraiment apprécié, surtout les fans. Enfin maintenant je comprends beaucoup mieux quand en général que ce soit les fans de championnat qui disent que les fans sont géniaux tout, c'est vraiment le cas. Là c'était un peu particulier aussi parce que c'était le retour de Yann, donc beaucoup de fans. Oui. On le voyait déjà sur les réseaux sociaux, mais comme on dit ici quand les gens te disent on va venir, bon c'est c'est rarement le cas qu'ils viennent vraiment au circuit à la fin. Alors que là, quand ils disaient, ben voilà, ils l'ont dit, ils l'ont fait, et franchement, il y avait la queue. Je pense qu'il a dû signer, je sais pas, une dizaine, vingtaine de miniatures, c'est son autographe, plus le reste. Et
Non, c'était vraiment bien. Bon, ouais, résultat, malheureusement, bah, c'est sport méca, donc quand t'as des pépins mécaniques, je peux pas faire autrement. On a des problèmes de frein avec les disques, je pense que c'était des défauts de fabrication parce qu'on a beau avoir changé de set et on a continué à avoir des problèmes, donc. Mais bon, la perfo était là, il avait la meilleure moyenne de. Sur tous ces stints par rapport aux pilotes, donc dont il y avait un qui était champion de GT300 et d'autres qui roulent en Super GT. Ah Donc, bah oui, donc c'est quand même des références, voilà, quoi. on a eu la pole, donc il y a pire. Alors Et quand tu parles là, de Yann, on précise, c'est Yann Mardenborough, hein, ouais, donc l'ancien exactement, vainqueur de ouais. la Gran Turismo Academy, et qui est aussi, hein, bon, certes, on digresse un peu sur GT, hein, je dis ça pour nos spectateurs et abonnés, pendant que je remercie alors. Andrev, j'espère que c'est comme ça, Andrev, ouais, je pense à mon avec avis. un 2, qu'on remercie pour le follow d'ailleurs, n'hésite pas à discuter sur le chat. Mais Yann Mardenborough, donc je disais, qui sera un peu au cœur aussi du scénario du film Gran Turismo d'ailleurs, qui sort tout bientôt, là, Bah dans même pas un mois, dans un donc mois, voilà, ouais, oui, dans voilà, un c'est ça. mois. En France, je crois que c'est, si je te dis pas de bêtises, en France, c'est le 9 août. Belgique, je pense que ça va pas être loin. C'est Je veux sur les pas mêmes dates en trop. général pour les deux, donc Ouais, je veux pas trop m'avancer, mais potentiellement il y aurait un event, un screening, soit au nord de la France, soit en Belgique, je sais pas encore. Il y a plein de choses en D'accord. discussion, donc je veux pas trop en parler, mais pour ceux qui sont fans, voilà. Ou sinon, bah, c'est pas pour faire de la promo, mais pour ceux qui veulent voir le film vraiment en avant-première, qui veulent voir Yann, bah, il y a le showdown à Amsterdam, Bien sûr, où bah oui, il y a des hein. tickets, franchement c'est accessible. Et en Ouais. plus, vous repartirez avec un petit souvenir, un petit t-shirt C'est bien comme ça. il faut. Et je pense que c'est l'occasion, bah, ceux qui sont fans de Sim Racing, en tout cas, et qui veulent voir Yann en chair en os, C'est ça. de le croiser, surtout s'il n'y a pas la possibilité d'aller le voir sur circuit ou autre. Mais voilà. Et le reste, bah, niveau racing, on va s'adapter en fonction de ces. Son calendrier, parce que là ça change un peu de statut pour lui, donc c'est pour ça qu'il fait des courses quand le temps lui permet, en tout cas Bien pour cette sûr. année. L'année prochaine, je pense qu'il sera full time, c'est quand même une certitude, Ah mais là ouais. c'est vraiment Oh là là, attention, attention, complet. attention! Ouh, ouais, là c'est chaud quand même, Oh là 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 là! Ouais, là là c'était c'était tendu. très 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 tendu, on the limit, là, compliqué pour Roque Tanière Rosuetard, là ici, qui repart à la faute un instant. Alors, revenons à l'origine de tout ça. La première sortie, déjà c'est ici au niveau de Paddock Hill. Le petit coup de raquette pour finir dans le bac sans toucher. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, ça a repris, mais là, il y a eu une petite touchette avec une des Porsche. Bah oui, là, bon, on est un peu compliqué. Et puis après, bah, on a vu là, la petite pirouette ensuite, juste avant qu'on enclenche ces replays. Ouais, donc pour Yann Mardenborough, en effet, ouais, un programme donc assez chargé. Et donc en plus, voilà, avec aussi ce film Gran Turismo, donc sortira au mois d'août prochain. Ouais. On Et ira le voir sans doute pour vous un petit peu vous donner l'anecdote, l'info. c'est que Oui? en fait, bon, un acteur joue son rôle, oui, mais toutes les scènes en voiture, c'est Yann qui conduit. Donc il se double lui-même en fait. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est quand même sacrément. Donc Sympa, ouais, aussi. c'est ça. C'est ce qui rend le truc, je dirais, plus encore mieux dans. Parce qu'il s'est vraiment impliqué dedans, que ce soit scénario et tout, mais en plus d'avoir fait les cascades lui-même, voilà, et surtout les séquences de pilotage, ça donne C'est de la ça. valeur au film. Mais voilà, ça donne une valeur ajoutée quand même très très intéressante pour le coup. Et donc, réalise ses cascades lui-même, ça rappelle un certain Tom Cruise. On en parle beaucoup, je sais pas pourquoi, ce Ah mec-ci, bah hein, ouais, curieusement, mais voilà. t'inquiète pas qu'entre nous on rigolait de ça. Ouais, bah oui, On forcément. taquinait avec d'ailleurs, déjà ah, bon bah on appelle Tom Cruise bientôt. Ah, bah voilà, oui.
Alors pendant ce temps-là, là c'est pas Tom Cruise, c'est la direction de course là, qui envoie des messages pour dire que la numéro 10 a été jugée responsable d'un contact avec le numéro 29, donc la voiture de Tezikto sur la 29, donc celle de Clément Martin. On avait vu l'incident. Et 5 tout à secondes de l'heure. pénalité du coup pour Tezikto. Et puis pour la numéro 29, retour en piste dangereux, 5 secondes de pénalité pour lui aussi. Donc voilà, hop là, et là c'était tendu là, entre Julien Guérin et Kaiser 59 là ici. Julien Guérin qui s'est arrêté au stand hein, d'ailleurs, Oui, c'est pour voilà, ça c'est pour qu'il est ça qu'il se retombé. retrouve à cette Alors, ne position vous là en inquiétez effet. pas, hein, voilà, il s'est juste arrêté au stand, il n'a pas fait de sortie de piste ou quoi que ce soit. Il Donc, s'est pas arrêté un pub non plus pour prendre une quelconque boisson sucrée, on va dire ainsi. Hein. Ou un fish and chips ou quoi que ce soit, attention, hein, évidemment. Et ça bataille toujours devant. Ouais. Et il a fait une petite erreur là. Et quand même, il va au charbon hein, dans le peloton. Ah bah il essaie de remonter donc voilà, et Tezikto s'arrête au stand. Alors pendant ce temps-là, notre cher Bertrand sur Ouh, le chat. Attention là quand même, c'était chaud pour Christopher Bellamy là ici avec la BMW. Donc on dit plus pénalité, on dit que tu as eu une Ocon apparemment. Ah oui, une Grand Prix d'Autriche. Ah bah oui, voilà, oui c'est ça. Hein. Là c'est. Et arrêt au stand pour les deux leaders. Hein, donc, ouais aussi, ouais. Salim Ramoun et Soufiane Hammam. Salim qui est passé devant Soufiane à l'entrée des pits. Bah, c'est surtout qu'en fait le pitbox de Salim est plus en amont que celui de Soufiane. Voilà, d'ailleurs David Garbini aussi, puisque c'est lui qui pour l'instant pointe. Ah bah non, lui il est en piste, il est resté en piste, David Garbini. Oui. Un peu de la Online Sim Racers. Laurent Rollet aussi qui s'arrête. Belle livrée de la OSR pour le coup. Ah, et ça repart pour Soufiane Hammam. Alors maintenant, on va tout voir par rapport à Salim Ramoun. Bah oui, il va repartir devant. Devant, ouais. Et Salim repart seulement maintenant. Voilà, voilà donc. Et pour l'instant, Julien, il est un peu loin, j'ai l'impression. Ouh, alors qu'il y a une sortie de piste. Oui, alors c'est pour qui ça? C'est pour Loïc Lolo 2030. Voilà, attention quand même. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'on a Mickaël Poulalek aussi qui est hors piste pour le moment. D'abord, revoyons pour Loïc Lolo. Oui. En effet. Non, pour Mickaël Poulalek. Donc, lui, qu'est-ce qui est arrivé au pilote Porsche? Une fois de plus, une autre Porsche en difficulté. Juste un passage hors piste. Et avec le retour. Oh là là. Et c'est moi les Porsche là depuis que j'arrive. Mais oui, mais c'est. Ah, même bah, déjà avant. Course, même déjà avant, je te rassure. Ouais. Hein. Enfin, rassure. C'est un bien grand mot hein, de rassurer dans ces cas-là, mais bon. Ça, après, voilà. Les Porsche ne sont pas à la fête, hein, ça c'est sûr. Ah ben non, là, les Porschistes qui doivent sur le live sont en train de se dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites, messieurs les pilotes, après, là, des Porsche. En même temps, j'ai envie de te dire, Brands Hatch, c'est pas vraiment un circuit fait pour les Porsche, donc. D'ailleurs, je connais Brands Hatch pour avoir été l'année dernière en Euro NASCAR. Donc, j'allais dire justement, partie, tu as visité aussi ce tracé pour la NASCAR Wallen Euro Series l'an dernier. Honnêtement, bon là, je trouve que dans Assetto, déjà par rapport à Gran Turismo, du moins avant, Assetto, je trouve que c'est vraiment mieux fait le vallonnement. Surtout T1, T2, etc. T3, on le voit. Mais clairement, c'est pas un circuit facile avec la traction, mais vu que la Porsche elle a tout à l'arrière, un petit bug là. La Porsche avec tout le poids à l'arrière, voilà quoi, c'est sûr qu'un circuit comme ça, ça va très vite pour faire des erreurs quoi. Ouais. Ou si t'as trop chauffé tes pneus, trop d'usure, pareil. Donc pour installer l'arrêt au stand donc pour Cole Trickle, oui ça ne s'invente pas, hein, voilà, c'est. On est fan pas. Hein. Voilà. C'est ça, oui voilà, exactement. Beau clin d'œil en tout cas. On parlait de Tom Cruise tout à l'heure, ben voilà, Days of Thunder, hein, bien sûr, jour de tonnerre. Il pourrait revenir d'ailleurs avec une deuxième version. Bah, j'en ai entendu parler en effet entendu. Il y a pas longtemps. Ouais. Je confirme avoir entendu parler de ça aussi.
Alors Alexis Vogel, pendant ce temps-là, 10 secondes de pénalité responsable d'un contact sur la 79, donc sur la voiture de Stéphane Félicite, donc la Nissan qu'on a vu tout à l'heure en difficulté. Ah bah, Eduardo Freitas, il rigole pas. Ah bah là, là il est au charbon là, Eduardo. Il fait le LMS aussi, me semble, non, de mémoire. C'est possible. Parce que je me souviens que quand j'étais en LMS en 2019, il était là et ça me faisait bizarre d'entendre la radio. Et déjà, quand il est parti en F1 là pour la course à pied, Julien Guérin. Julien Guérin là qui vient d'aller taper. Ah ouais, là très fort là. À la sortie du dernier virage. Et abandon. Et c'est terminé. C'est terminé pour Julien Guérin, c'est terrible. Aïe 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 aïe. Alors qu'il faisait une course remarquable, notamment par la remontée qu'il était en train de faire. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ici au dernier virage? Il a clippé l'herbe. Oh là 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 là. Ça pardonne pas. Ah, c'est pas de chance. Ouais. Ah, c'est vraiment pas de chance là sur le coup là, malheureusement. Le fameux high clip de wall. Là c'est. Bah oui, oui. Voilà. Mais là c'est Alain Bonnefoy qui a eu aussi autre chose il y a quelques secondes. Alors qu'est-ce que c'était de son côté? Ça va arriver juste ici. Ah ouais, il a pris l'intérieur. Ouais. Ouais, ah, bah oui, voilà, c'est. Wow, derrière! Fou Laurent Rollet là qui, je pense, était passé tout près. Il s'en est plutôt bien tiré. David Garbini, Jason Corave au stand. Oui, aussi. Alors qu'on avait Mickaël Poulelec, pardon, qui est ressorti des stands, je crois. On a également Renan Leblon aussi. La piste et la direction de course va être un peu en feu là aussi, du coup, avec tout ce qui se passe. Mais au moins, ça nous donne une course intéressante à suivre et animée. On espère que elle va plaire, du coup, à tous les spectateurs qui nous suivent. Il y a de la belle bataille en piste. Hein, et ça me donnerait presque envie d'y retourner, moi, sur ACC. Donc, Ah bah tiens. Bah, pourquoi pas faire une pige au moins sur cet événement. Ouais, faut voir avec nos amis de la LMR justement s'il y a possibilité de. Allez dire entre guillemets de se taper l'incruste, je vais dire comme ça. Tout honneur bien sûr. Voilà, j'étais un tout petit peu touché de là, c'est pour Loïc Lolo. Ici, c'est bon. Alors. De suivre cette course naturellement, chers abonnés. Vous êtes là, vous interagissez sur le chat, on compte sur vous un maximum pour faire ça en totale coopération, non, totale discussion avec vous, interaction. Oui. Voilà, je vais chercher le terme approprié, hein, parce que voilà. Hein, ici, on interagit avec vous, vous savez, voilà. Alors, parce que vous êtes un peu la base même, le pilier fondateur, le ciment, on va dire, le plus important. On va un petit peu digresser sur, forcément, l'annonce du jour. Ah oui. Et là, il y en a un, forcément, ici. Qui doit se sentir tout émoustillé et tout frétillant, j'allais dire ainsi. C'est frétillant, carrément, j'invente des mots. Mais par rapport à cette nouvelle arrivée l'année prochaine en WEC et en IMSA, championnat nord-américain d'endurance, la ST63, la SC63 de Lamborghini, la LMDH donc, qui était présentée aujourd'hui à Goodwood. Oui, et qui avait leaké avant pour le coup. Oui, elle avait leaké effectivement, mais bon. Ouais, je suis quelqu'un entre guillemets droit et tout. J'attendais l'annonce officielle tout de même. Et franchement, une claque. Bon, l'arrière, ça ressemble un peu à celui de la BM, un tout petit peu. C'est la signature Lamborghini aussi, donc voilà. Oui, bien évidemment. Mais même l'avant, je trouve que ça ressemble aussi pas mal à la Cadillac aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Une petite ressemblance aussi. Donc, mais ouais, non, je la trouve magnifique, donc voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais
Et donc elle sera engagée par l'intermédiaire de l'écurie Iron Lynx hein, pour le coup. Oui. Donc à partir de 2024, aussi bien en WEC, donc en championnat du monde d'endurance, que en championnat alors, IMSA. Apparemment, j'ai entendu qu'elle serait peut-être pas présente aux 24 heures de Daytona. Ouais, je crois qu'elle arriverait peut-être en cours de route. Ouais, comme ça, elle arriverait, elle ferait ses débuts lors de l'ouverture de la manche du WEC, donc à Sebring. Ouais, c'est ça, parce que ils disent qu'en fait ils vont rater Daytona parce que ils risquent de pas avoir assez de pièces détachées pour faire une course de 24. Ouais, c'est ça, elle est pas tout à fait prête, on va dire, donc. On n'a pas de The Black sur le chat qui nous dit c'est une Cadillac de A à Z selon lui. En fait pas du tout, parce que la Lamborghini c'est Ligier qui la fabrique. Oui. Mais c'est pas le même constructeur effectivement de châssis. Donc hein, pour moi en fait elle ressemble à la JSPX sur certains aspects. Ah oui, pas con. Et connaissant cette caisse puisqu'elle est dans le film et qu'Yann a roulé et que je l'ai vu pas mal en photo, je l'ai pas encore vu en vrai pour le moment la JSPX, mais je vois des similitudes surtout sur cette photo là où entre guillemets si t'enlèves la peinture verte, voilà, il n'y a pas trop de différence. Ouais, il y a une petite ressemblance, ouais, ouais, un petit peu quand même. Et puis bien mais sûr. J'espère pour eux que ça va marcher, parce que quand tu vois que Ligier s'est fait rouster par Oreca royalement à l'MP2, j'espère au moins pour Lamborghini et surtout pour eux, pour une marque comme Ligier, qu'ils puissent jouer. Alors, c'est surtout qu'il y a un des équipages, le deuxième n'est pas encore connu, on le saura normalement d'ici la fin de l'année, mais le premier équipage. Il est pas piqué des hannetons si vous. Ah ouais, là c'est. Ah, il doit y avoir du Mirko Bortolotti certainement. Ah ben bah, totalement. Oui. Pilote officiel Lamborghini. Bien sûr. Totalement. Alors est-ce qu'on a là évidemment parce que je vois son nom sur le chat, hein, OSR Iceman qui nous parle, Romain Grosjean. Oui. Quid de Romain? Ah ben bah, il est officiel. Ah ben bah, voilà, ben bah, voilà donc. Il est intégré. Voilà. Daniel Kvyat sera intégré aussi. Exactement. Oh en fait, il y a 5 pilotes sur 6, et en fait, je pense, je veux pas trop m'avancer, mais je pense que la 6ème place, tout le monde pense à un Factory, etc., mais pas du tout. Moi, mon avis, hein, ça concerne que moi, mais je pense qu'en fait, le 6ème pilote, ça va être une femme. Pas impossible. Intermédiaire d'Iron Dames, peut-être. Exactement. Ouais. Je veux bien prendre les paris dessus. Alors. Et je. Alors, pour l'instant, on en a que 4 d'officiels. Non, il y en a 5. Il y en a 5. Il y a 5 pilotes officiels. Donc, on a Romain Grosjean, on a Mirko Bortolotti, on a aussi. Andrea Caldarelli. Andrea Caldarelli, du coup, donc ça fait déjà 3. Donc, les deux autres. Daniel Kvyat. Ça fait 4. Et le 5ème. Le 5ème, moi, je l'ai pas en tout cas. Le 5ème, je sais plus, mais j'avais lu qu'il y avait un 5ème. Ah! Raphaël Marcello nous dit. Ah, bah oui, exactement. Bah non, il est chez Mercedes, lui, Raphaël Marcello. Raphaël Marcello, c'est chez Mercedes. Oui. Il est chez Mercedes, oui, en GT3, bien sûr. Donc là. Alors, attends. Je vais chercher sur internet. Pas de soucis. C'est ça, t'as raison, c'est 4 officiels. Oui. Marcello en discussion, donc c'est le 5ème. Ah, ça va être annoncé et il manque un 6ème, d'où je dis 6ème, potentiellement pour moi ça risque d'être Dorian. Je veux pas trop. Elle roule déjà en proto. Elle roule en proto avec Kvyat, mais ça va dépendre de comment se finit la saison. Après, faut voir parce qu'on a Raël Frey aussi qui était parmi les pilotes de chez Iron Dam. Et alors, là, si c'était le cas, ça serait énorme, Sarah Bovy. Je verrais plus une Sarah Bovy, moi. Si c'est Sarah, alors là, je peux vous dire, ça serait franchement génial. Le problème de Sarah, je crois que son seul problème, et c'est un problème un peu con, mais je sais. Je crois que Sarah est bronze. Et en hypercar, il ne peut pas avoir de bronze. Et c'est le seul problème de Sarah. À moins qu'elle se fasse upgrade, mais c'est pas impossible parce qu'elle a enchaîné les pôles en WEC. Logiquement, après, entre les podiums et les pôles, elle pourrait passer silver, donc ça pourrait se faire. Mais faut voir. Ouais.
Mais Dorian, je la verrai dans le futur, mais pas dans l'immédiat. Dorian, je pense que ça serait un peu tôt pour la mettre sur une LMDH. Malgré qu'elle a un très bon coup de volant, hein, Dorian, je dis pas le contraire, hein, mais. Mais Dorian, moi je pense que ça serait un peu tôt. Je pense qu'elle doit continuer avec Préma en justement en LMD, en LMP2 notamment. Et Bon, même encore au si du moins une coup heure. elle ne ferait plus qu'une course sur l'année en WEC, parce qu'on rappelle que la catégorie LMP2 va tout doucement disparaître hein, Oui, alors à moins qu'elle du change. Ou WEC. alors à moins qu'ils engagent une LMP2 en IMSA, hein, pour le coup, donc. Ah oui, ça c'est possible, parce que par contre là en IMSA, les LMP3 elles vont dégager. Hein, et ça C'est pas plus c'est mal pas d'un côté. une mauvaise chose, parce que bon, ça provoquait plus de dangers qu'autre chose. Sur la piste, hein, sans être péjoratif, hein, que je dis Ah ça, oui, mais non, mais malheureusement, clairement. les constats et les faits sont là, quoi. Donc, Pat The Black, il nous dit Bovi est bien bronze et ils le font exprès pour respecter les règles, car d'après moi, elle est meilleure que ses coéquipières. Voilà. Mais en fait, Sarah, c'est pas que. C'est le fait qu'elle soit bronze, c'est parce qu'en fait, elle roulait pas assez ces dernières années. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et du coup, elle avait pas assez de résultats. Et surtout, si je dis pas de bêtises, l'autre point, c'est que Sarah, elle a plus de 30 ans. Et en fait, si tu veux, quand t'as plus de 30 ans, Ah oui, une question t'es d'âge pas. aussi pour Ouais, les exactement. classifications. Quand t'as moins de 30 ans, t'es automatiquement silver, même si, entre guillemets, certains peuvent être novices et bronze, seraient supposément bronze, mais t'es silver. Et elle, vu qu'elle a plus de 30 ans, elle est bronze. C'est ça. Mais je pense que si demain vraiment c'est elle qui veut le mettre dans l'auto, voilà, avec les résultats qu'elle a fait cette année, ils vont forcément Elle a fait lui du dire super trophée oui. aussi, ouais, c'est vrai, comme le dit Pat The Black. Et par Ah ouais, contre, exact. Iceman, sinon, qui nous dit, sinon, il y a Nick De Vries, hein, qui a le temps, hein, si jamais, voilà. Ouais, mais non. Ah bah tu sais quoi, honnêtement, en endurance, on peut Après, en pas le endurance, il est pas critiquer, hein. mauvais, mais ouais. Et pourquoi s'en priver? Surtout que, bon, ok, il s'est fait jeter de la F1, mais maintenant. Niveau réseaux sociaux, il est devenu costaud grâce à la F1. Bon, la voiture, l'AlphaTauri, il se fait virer, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça, parce que la voiture, c'est quand même une daube, hein, faut dire ce qui est. Donc, Bah, y a ça, et puis tout n'est surtout, pas sur son dos non plus. encore une fois, la très bonne humanité Ah du oui, giron mais. Red Bull, hein, comme d'habitude, hein, qui jette ses pilotes comme des pauvres merdes, hein, mais ça, Ah bah, c'est Red Bull, hein, c'est la façon d'opérer à l'autrichienne, hein. On l'a vu avec Zarco, même aussi en MotoGP, quand il était chez KTM à l'époque, hein. Que ce Ah ouais, soit non, mais il n'y a pas de F1 comme pitié. moto, c'est quelle que soit la catégorie, voilà, Mais hein, ouais, c'est Je pense que c'est un intransigeant. problème germanophone, c'est pas juste c'est un problème vraiment autrichien, allemand, vraiment germanophone qui n'ont pas de pitié. Quand il faut dégager quelqu'un, il n'y a pas de sentiment. Mais même si là, dans le cadre de Vries, bon, il a fait que 10 courses et avec une épave pareille, bon, tout le monde dit oui, il n'est pas vraiment rookie, mais bon. Ok, il y Ouais, a une même différence d'être dans le simu, d'être test driver, de faire une fois par an des tests Ouais, voilà. et d'avoir déjà roulé. Parce que bon, après tout le monde va s'amuser à comparer avec Ricardo, mais désolé, Ricardo, Mais Ricardo, c'est un pilote confirmé c'est aussi. C'est pas exactement. pareil, oui, voilà, c'est ça, donc. C'est pas comparable, mais les gens vont faire la comparaison. Et de toute façon, pour Red Bull, l'autre problème c'était que De Vries il est aussi hollandais. Comparé à Ah bah Verstappen, tiens, bah oui, y a pas forcément. photo. Et Ricardo, c'est tellement un atout marketing pour la galaxie Red Bull, pour ce qu'il apporte en termes d'image, de sympathie, que Verstappen n'a pas, malgré qu'il soit deux fois champion. Il y a très peu de sympathie Ah bah pour de lui. toute façon, oui, voilà, Donc c'est Ricardo, évident. surtout, bizarrement, hein, comme par hasard, De Vries, pourquoi se fait virer? Parce qu'on veut préparer Ricardo, pourquoi? Pour Austin et pour Vegas. Parce que c'est la carte maîtresse pour les sponsors, pour les Grands Prix aux Ah bah États-Unis. ça, Donc, oui, bah oui. voilà, c'est tout. Ce que De les toute gens pensent façon, que maintenant, Sport Auto, c'est qu'une ouais, question de avec niveau. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'autres paramètres. Et bien sûr. principalement, je veux dire que maintenant, le marketing, c'est le numéro un. Ah bah oui, Avant la si, oui. perfo. Et surtout que dès l'année prochaine, on passe du côté des GT3 pour le Mans aussi. Donc, Ouais, enfin, ouais. donc du coup, il va y avoir une flopée de nouveaux pilotes peut-être qui vont justement Ouais, arriver bah au Mans. déjà, Audi laisse 14 pilotes sur le carreau. Ouais, bah oui, comme on a dit tout à l'heure avec la fin de la branche Customer Racing. Bon, après, encore une fois, les écuries, et même justement, la porte n'est pas fermée pour engager des Audi au Mans en GT3, mais par contre, ce seront les écuries elles-mêmes qui devront s'occuper de tout, hein. Il n'y Ouais, a mais plus le problème d'intervention d'Audi c'est Sport, hein. qui va vouloir continuer avec eux? Est-ce que la CO, vu que Audi ne sera plus officiel, va leur dire oui?
C'est un peu le même cas. Hop là, attention, ouais, Yann Carbonari pendant ce temps-là qui est parti faire une petite lecture sur piste, ce qui permet à Kaiser 59 de doubler. Parce ouais, que ça... Même Mercedes eux-mêmes ne savent pas s'ils pourront faire le Mans envoyer des clients au Mans GT3 parce que. Voilà, on sait que Mercedes et le Mans hein, en règle générale. Ouais. Bon. Ah, jamais compris. C'est. Voilà. Ça colle pas mal. Oui, voilà, ça, déjà ça décolle, ou sinon ça a des conséquences assez fâcheuses. Donc, du coup, oui, c'est. Ouais, bon, je pense pas que la MG GT3 risque de décoller à ce point-là, mais. Non, ou de tuer des spectateurs à cause d'un accident, mais bon, voilà. Ouais, je pense pas non plus. Non, mais. Non, mais c'est plus une question de. En fait, le gros problème, ça, je le sais pas pour le moment, j'en saurai sûrement plus bientôt, c'est que en fait. Ils sont en train de douter de quel constructeur ils diront lui en GT3, ouais. Dépendant d'en fait s'ils sont déjà alignés en hypercar. Et c'est ça le problème. Ça. Bah, est-ce qu'ils vont accepter que les constructeurs qui sont déjà en hypercar ou au contraire dire bon attends, on peut avoir des Honda et d'autres constructeurs type Mercedes, ça fait de la diversité, bon on les accepte aussi. C'est ce qui est en train de se débattre un peu en coulisses. Ouais, là, ici, oh là, là attention. Ouais, là, c'est chaud. Entre retardataire, ici. Ouais, bataille entre plateau. David Garbini. Oh, et ça s'accroche avec Christopher Bellamy. Et David Garbini qui était en quatrième position. C'est vraiment dommage. Ah là 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 là. C'est bon, ça a pu repartir, mais voilà. Là, du coup. Alors, pendant ce temps-là, la numéro 3 qui a été jugée responsable d'un contact avec la 22, pas de sanction. Et la 27 responsable d'un contact en étant en drapeau bleu sur la voiture numéro 93. Donc voilà. Hein, la direction de course, comme je l'ai dit, elle chôme pas. Hein. Yes, c'est clair. Et on l'entend bien, du coup, ici le bruit plus sourd de cette Ferrari avec le moteur V6 désormais pour la 287. D'ailleurs, je l'ai pas encore vu en vrai, je risque de l'avoir ce week-end au Paul Ricard. Et j'ai un ami qui a participé à la conception de l'auto. Et plusieurs pilotes que je connais qui l'ont développé. Y a une partie qui a été faite chez Oracle derrière. Ouais, exactement. Ah, mais en fait, quasiment tout. Ça a été fait vraiment en collaboration 100% avec Ferrari. Et je trouve assez ingénieux, notamment ce qu'ils ont fait pour. En cas de pépin, c'est-à-dire les kits de remplacement pour le bloc arrière où tu as tout le pare-choc arrière, aileron et l'échappement qui vient d'un coup, c'est vraiment intelligent. Ah ouais. Donc un peu à l'instar d'Audi qui faisait ça sur la R8 au Mans en début des années 2000, qui a vraiment aussi un peu révolutionné de faire comme ça des kits carrément complets qu'on peut changer, remplacer en un rien de temps. Alors voilà, alors Iceland qui nous précise. Non, alors c'est faux. Ah. C'est faux parce qu'il y a eu un article qui datait du 18 avril 2023 et qui disait justement les constructeurs hypercar auront la priorité en LMGT3. Ah bah voilà. On voit comme quoi, c'est pour ça que Mercedes du coup, ils étaient en mode on veut y aller, mais. Ils auront la priorité, mais ça veut pas dire qu'ils seront présents. Ouais. Mais là, bon. C'est ça, voilà. Faut voir mais Mercedes n'est pas en hypercar. Mercedes n'est pas en hypercar, donc. Non. Ils ont pas la prio et c'est pour ça qu'ils sont un peu en train de faire du lobbying dernièrement. Ah, c'est surtout qu'on va avoir l'arrivée de la Ford Mustang. Ah bah ça, bah eux pareil, ils sont pas. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des grosses présentations parce que pareil, ils sont pas en hypercar ni en LMDH pour le moment. Mais honnêtement, je me dis, avec tous les investissements que Ford fait, je pense que dans les 2 ans à venir, ils vont aller en LMDH. Ça n'a pas de sens de pas être de la partie. Surtout qu'ils étaient en DPI, donc je vois pas pourquoi laisser tomber la chose. Quoi. Alors, surtout que oui, parce que voilà, mais c'est le projet en fait, c'est de limiter chaque constructeur à un maximum de 2 voitures. Yeah, ouais, c'est vrai. Donc, si on prend les marques comme Lambo, Porsche, Ferrari, BMW, voilà. Chevrolet devrait y être en GT3 parce que voilà, appartenance à la Corvette Cadillac, GT3, c'est. Oui, voilà. C'est... Cadillac, membre de General Motors. Toyota aussi pourrait y figurer sur la liste, mais alors ça serait pas. Ils pas de GT3 à l'heure actuelle. Non. C'est via Lexus mais... alors. Oui, parce que Lexus est en train de développer la GR GT3 Concept pour 2025. Lexus ? Oui.
Pourtant, GR, c'est Toyota, c'est pas Lexus, justement. Oui, mais hein, ça serait justement la collaboration. Normalement, c'est... Voilà, oui. Oui, mais vu que Lexus fait partie du giron Toyota, voilà. Ah oui, c'est dans le groupe, oui, ça, tout à fait. Oh, attention, Kaiser 59. Non, laissez passer le plus bon. Rapide. Donc, voilà, après... Faut voir. Il devrait y avoir au moins 20 hypercars en 2024. On en a eu combien cette année? On a eu. On en a déjà eu une bonne quinzaine. Hein, ouais, au moins, ouais. Donc. On va avoir de quoi faire de toute façon. Ça, oui, je ça pense. On est encore une fois à l'aube d'un bel âge d'or au niveau de l'endurance. Donc, là, de ce côté-là, on n'a pas trop à s'inquiéter, je pense, qu'on aura clairement. De quoi faire durant les prochaines années. Ça, c'est ça. Bah oui, surtout que des écuries privées en GT3. Bah là, voilà, on nous en cite un AF Corse pour Ferrari, mais attention qu'AF Corse gère aussi la LMH. On a Mante pour Porsche, mais sauf que Porsche, bah il y a Penske aussi pour la LMDH. Alors que Alain Bonnefoy là, qui est de nouveau sorti de la piste, on a TF Sport pour Chevrolet. Alors Chevrolet TF Sport. C'est plutôt TF Aston Sport, Martin TF Sport. Oui, mais vu que Aston, oui. Ah, TF Sport, oui, c'est plus. Oui, c'est plus Aston, oui. Chevrolet, ça serait vraiment le Chevrolet Racing. Hein, moi, je pense vraiment, que oui, c'est ça. C'est Corvette Racing directement, ouais. En GT3. Non. Ah, TF Sport, apparemment, c'est bien confirmé. C'est bien confirmé. En fait, Corvette Racing. Ça va passer par Pratt et Miller et ça va plus être directement factory. Ça va être tout un schmilblick, mais ça sera plus un engagement comme on l'a connu, où ils vont faire un schmilblick semi-privé en gros. Mais ça sera plus un engagement en Corvette Racing comme ça a été jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça, voilà. Ils sont obligés de passer par du privé. Ouais, c'est ça. Un peu comme à l'époque du. Quand on avait sur les GT1 le FIA GT, le FIA GT c'était obligatoirement des écuries privées, il ne pouvait pas y avoir d'écuries constructeurs en GT1. Exact. Mais voilà. C'est ouais, ça. Comme la Corvette avec l'arbre et Viper avec Oreca. Oui, bah oui. C'est ça. Avec l'arbre aussi, les Viper. Hein, également. Ils ont touché aux deux. Ouais. Et d'ailleurs, peu de gens le savent, mais cette année, on voit que c'était l'arbre qui était derrière en support. Notamment au Mans. Et c'est assez marrant parce que même les factories pour Corvette. Ah ok, ouais, d'accord. Okay. Et en fait, certains pilotes sont fait interview au Mans et on leur a dit, mais vous savez que c'est Jack Lecomte qui est derrière en support pour vous, pour le Mans. Et le mec, ah bon? Ah ben merde, c'est pour ça qu'il est dans le box en fait. Ah ok. Et le mec, ils étaient même pas au courant eux-mêmes tellement, bah en fait, ils gèrent bien le truc et que c'est intégré dans le système factory quoi. Monsieur Jack Lecomte, quand même. Là aussi, je l'avais en contrat à l'époque. Oh, attention, il y a plusieurs sorties en même temps à plusieurs emplacements différents. Ouais, Alexis Vogel. Alexis Vogel et Jason Corave. Alors, c'est pas au même endroit hein, les deux, mais voilà, ça s'est produit tout en même temps. Alors, Jason Corave de son côté. On va peut-être avoir lui en premier lieu, je pense. Ah, sortie là, il clip l'herbe. Ok. Et de son côté, Alexis Vogel, je pense que lui, c'était résultant d'un contact, à mon humble avis. Alors, Alexis Vogel, s'il vous plaît. Ah bah oui, voilà, contact avec avec ATX Bang, là en l'occurrence. Bon, allez, un petit de plus, pas. C'est gratuit. Ça chauffe un peu alors qu'on rentre dans les 10 dernières minutes, hein, messieurs. C'est vrai qu'on discute, Et au final, la course elle passe alors que derrière, une McLaren. Là. Une McLaren, celle de Colt Trickle. Ouais, c'est ça. Ça fait bizarre de dire Colt Trickle, quoi. Ouais. Manquerait plus son adversaire de. Ouais, ça serait. J'ai oublié son nom. Ah bah, moi aussi, tu veux. C'est pour dire donc. Mince, je passe.
Je voudrais presque dire assez terrible à la suite d'une célèbre phrase du premier de Tour de France, hein, bien sûr. Aïe, 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 attention, Philippe, pour le parapluie. Oh, c'est terrible. Ouais, bah, forcément. Elle ressortira régulièrement, je préfère vous le préciser, hein, celle-là. Ah bah celle-là, oui. Avec la voix d'Alexandre Pasteur. Salim Ramon, que j'ai l'impression qu'il est en train de revenir sur le lead de... si je dis pas de bêtises. 2 secondes 8, en effet, ça revient, ça revient, ça revient. Et si on compare un petit peu les temps, en l'occurrence, sur le dernier tour, non, ça perd 2 dixièmes, mais si on prend ne serait-ce que les 3 derniers tours, ça a repris 8 dixièmes, et sur les 15 derniers, allez, soyons larges, 3 secondes 7 de repris. Oui, donc oui. Donc oui. Clairement, il y a du retour dans l'air pour Salim Ramounet. Alors que pendant cela, on avait une sortie. Je crois qu'il y a un feu d'artifice dehors là. Ah bah en même temps, on est un peu veille de 14 juillet aussi. Donc ouais, c'est ça, ouais, exactement. Parce que j'entends des. Malgré le casque sur les oreilles, j'entends des boum boum. Je me dis putain. Ah bah ouais. Et 10 secondes de pénalité pour la voiture numéro 89. La voiture, autrement dit, de. Rock Tanier Rosuetar qui est déjà en dernière position, il se prend 10 secondes pour retour en piste, multiple incident, retour en piste dangereux. Donc, c'est la totale. De toute façon, c'était chaud là. En relais, oui, sur David Garbini, bataille pour la 4ème place en cours, alors qu'on a Jonathan Austin là qui nouveau en difficulté. Mais ça a pu repartir. Très belle livrée hein, de la OSR sur la Ferrari. Ouais, franchement, oui, ça c'est. C'est clair. Faut le dire, et encore une fois, saluer le travail des designers, des peintres dans les différentes écuries. Non, bien évidemment. Pour le signaler. C'est l'occasion de le faire par le biais de ses retransmissions. Hein, donc, Parce que nous aussi, on salue les hommes de l'ombre également. C'est important. Exactement. Personne qui peut contribuer à la réussite d'un pilote dans une course a son importance. Ça passe pas aussi par l'image entre guillemets sur la voiture avec les livrées. Et bah, la bonne bonne journée Bertrand, du coup je vais dire, on va pas dire bonne soirée, bonne soirée. Mais là-bas c'est bonne journée en Australie. Il va être 7h du matin là d'ici quelques instants. Hors de Sydney, bien sûr, dans le cas que je précise. Bah, il est à Melbourne, donc il est pas très loin. Hein. Bah, Melbourne, c'est le même fuseau horaire, je crois, que Sydney. Parce qu'il y a deux fuseaux horaires différents en Australie. Oui. Vu bah, la grandeur du pays. Je crois. Un à l'est et un à l'ouest. Ah oh bah, ça en même temps. Ou alors peut-être un au nord et peut-être un au sud. Non, je crois que c'est plutôt est et ouest. Ouais, genre, c'est est et ouest, je crois. Mmh. Ça semblerait logique en tout cas. Arrêt au stand pour Kaiser. Ouais. On a vu en effet qu'il s'est dirigé vers la voie des stands là ici il y a quelques instants. Et bataille pour la 19e place entre Ronan Leblon et Michael Poulalek. Bataille de Porsche. Bah oui. On se jauge peut-être un peu avant de passer à la Salim qui est revenu à moins de 2 secondes hein, de Sofiane. Oh, attention. Ça écarte bien. Ça écarte bien justement pour Michael. Ça va, oui, je joue. Bien géré. Justement pour permettre à Ronan de faire son retour en piste. Bien négocié tout ça. Allez, moins de 4 minutes. Hey, c'est pas impossible hein. C'est pas une seconde 3, attention. Une seconde 3, ça revient. Hey. Si on compare les 3 derniers tours, il y a peut-être quelque chose à jouer hein. Regardez, ça a pris encore 5 dixièmes sur les 3 derniers tours. Là, on va comparer sur tour-ci. 9 dixièmes de repris. Quasiment une seconde pleine sur le tour qui précède.
attention, attention. C'est pas encore terminé cette affaire, moi je vous le dis. Non, non, bah non, non, une seconde. Attention, parce qu'il y a un petit peu des... il y a les retardataires devant, donc bien gérer le trafic. C'est ça. Jouer du trafic pour essayer de mettre de la pression à son adversaire, le surprendre et le piquer, j'allais dire au vif, mais ah, sur le freinage. Là. Justement là, Salim se fait un peu piéger par la McLaren. Il a pas trop aidé. Oh, attention devant parce que ça a l'air d'être quand même chaud. Elle est juste là, hein. Il l'a dans son viseur. Ouais. La même Salim Ramoun. Les petits appels de force pour se dire copain, je suis là. Ouais. Ah mais ça, mais Pat, tu nous apprends rien hein, par rapport au fait que Bante fait partie de Porsche. Hein. Là, bah oui, oui. Ça, c'est, ça, là, c'est. Moi, ça a toujours été Porsche. Hein. Bah oui, c'est ça. La Grelo, bien sûr. Oui, là, oui, oui, oui. La mythique Grelo von Nürburgring, y'a. C'est ça. Comme j'ai dit, autant je l'adore comme pilote et tout, Kevin S, mais si on me propose de faire un baptême passage à côté de lui, je refuse direct. Et pourtant, je sais si je suis monté avec des pilotes sur des circuits. Oh là, mais, je l'attends, là, ici. Oh, là, quand tu vois les vidéos de baptême, ah oui, bah oui, oui, ça, il conduit en fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas de, il y a pas de passager avec lui. Ah oui, non, non, c'est ça, c'est. Il va franco de port. Mais c'est pour ça que qu'on l'aime. Hein. Ah bah bien sûr, oui, ça c'est. Ça qu'on l'apprécie beaucoup aussi, Kevin Estre. Mm. Et drive-through pour la 89 à cause de la coupure de la ligne des stands, plus des contacts. La 89, autrement dit, la voiture de Rock Tanier Rosuetta et le leader qui est dans le dernier tour. Dernier tour de cette course. Et attention, 8 dixièmes seulement d'écart. Et ça tourne dans les mêmes chronos quasiment. Une 24-7 pour les deux au tour précédent. Ouais. Celui qui fait une erreur là. Il a tout perdu. Il est pas bien. Hein. Là, il est pas bien si. Celui qui ferait une erreur dans les instants qui viennent. Là, le chronomètre, lui, va se terminer. Voilà. Dans 5 secondes, la course sera officiellement dans son... Voilà. Elle est dans le dernier tour, mais voilà. Elle sera encore plus officiellement, je veux dire ainsi. Avec Kaiser qui reste au stand. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il reparte d'ici à la fin de l'épreuve. Non. David Garbini, Laurent Rollet, c'est chaud. Et Laurent Rollet qui vient de se sortir. Il vient de se sortir à l'instant, Laurent Rollet, alors qu'il était en bataille pour justement aller garder cette quatrième place. Ou aller la chercher en tout cas. Aïe, 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 aïe. Ça va le faire pour Soufiane, à mon avis. Il faut pas qu'il se rate dans le dernier virage. C'est ça, Soufiane Hammam. Il va aller sans doute s'imposer alors que Jason Corave lui aussi fait une petite erreur. Et oh là, attention, attention, hein, devant il y a du monde. Et attention parce que sur la ligne, il y a drapeau jaune, il y a drapeau jaune. Mais c'est Soufiane Hammam, c'est bien lui qui remporte cet événement. Oh là 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 là, oui, c'était très très chaud jusqu'au bout. Soufiane Hammam devant Salim Ramoun. Ensuite, on retrouve Jérémy Jorisson qui va retourner à 3ème place. 4ème place pour David Garbini. Romuald Van Niemen qui est passé 5ème. Hein. Laurent Rollet qui retombe seulement 6ème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Laurent Rollet non, c'est pas ça, René. Qu'est-ce qui est arrivé alors. Là, on voit le dépassement de justement de Romuald. Alors, c'était bien avant, je pense. Ouais, c'était un peu avant, ouais. On va essayer de remonter dans le temps pour voir cela quand même, parce qu'on a envie quand même de comprendre ce qui a pu lui arriver. Ah là, oui, on est arrivé encore trop tard. Allez,
Sortie, ouais, pas de kill quoi. C'est ça. Alors, il était en lutte avec David Garbini. Ouais. Voilà. Et là. Ah là 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 là! Aïe aïe aïe, avec les. Oui! Ouais, la boss. Avec la boss de... le long du rail. La boss de sortie de pit quoi. Ah là 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 là! On a peut-être un petit peu optimiste sur le coup là, malheureusement. Ouais, je pense. Bon, en tout cas, Jérémy Jorisson, je l'ai dit. David Garbini, Romuald Van Niemen. Oh là, oui, bah oui, oui, ça c'est la fin de la course. Oui, voilà. Laurent Rollet, voilà, qui s'est fait. On va lui envoyer de partout. Ensuite, Jason Corave qui termine lui 7ème, 8ème position. On va vous afficher le reste du classement dans un instant. Juste le temps de. Un petit peu. Voilà, reclarifie tout ça. Vous afficher le résultat d'une autre manière, du coup. Voilà, ce sera un petit peu mieux. Alors, attendez, bougez pas. René me dit, faut pas bouger. Eh ben, on bouge pas, René, hein, y a pas de souci. On attend juste le résultat. Voilà, le voici, justement. Donc, Soufiane Hammam, Salim Ramoun, Jérémy Jorissen, David Garbini, Romuald Van Niemen, Laurent Rollet, Jason Corave, José Equinox, Tezicto, Alexis Vogel, Clément Martin, Christopher Bellamy, Yann Carbonari, Alain Bonnefoy, Stéphane Félicite, Torsen76, Atex Bang, et puis ensuite Michael Poulalec, Ronan Leblond, Jonathan Austin, Cole Trickle. À la suite du classement, voilà, Cole Trickle, Loïc Lolo, Kaiser, puis après ça on a Rock Tanière, Rose Vétard. Eric Thune, Julien Guérin, Amy Bert, les autres pilotes qui ont été contraints à l'abandon malheureusement. Il y en aurait quand même hein, du dégât aussi sur cette course. On va bien sûr prendre le temps d'ici quelques instants. On va marquer une petite pause puis pour ensuite débriefer ça et puis vous envoyer la suite des rendez-vous hein, de l'été. Parce que bah, René me dit il va falloir envoyer la pub parce que le générique de fin il n'est pas fini. Bah oui, tiens, tu m'étonnes. Bah oui, hein, avec tout ce qui s'est passé là ici sur ces derniers instants. C'est un tout petit peu normal. Bon, bah écoutez, on va partir en pause pub du coup. Et on se retrouve juste après, toujours avec Jérémy et avec Ludo pour un petit peu débriefer cette course. Restez bien avec nous, on revient juste après ça. À tout de suite. Nous sommes de retour, toujours en live, toujours bien sûr sur Benjix Motors pour l'après-course, après cet événement organisé par la LMR. Je vous rappelle, donc nous étions à Brands Hatch ce soir en GT3. Et Dieu sait, Jérémy et Ludovic, Jérémy Franck, Ludovic Pesé bien sûr qui sont à mes côtés, s'il s'en sera passé des choses, hein. On ne s'est pas ennuyé très clairement durant la soirée. J'en profite aussi pour remercier Atex Bank qui a follow et sub à la chaîne, merci beaucoup.
Ça nous va droit au cœur, ça nous fait plaisir. Mais donc, oui, là, franchement, j'ai presque allé dire quelle mouche a piqué certains quand même. Parce que franchement, là, il y a eu pléthore de sorties, des petits accros, tout ça. Est-ce que c'est pas un peu le circuit aussi qui fait ça? Bah, très clairement, je pense que si. Hein. Très clairement, le circuit n'aide pas. Même moi, je peux parler en connaissance de cause. Hein. Voilà, mardi, j'ai aussi roulé sur ce circuit-là. Bon, pas sur le même jeu, mais voilà, c'était pour le compte d'un événement sur AMS2, très clairement. Mais voilà, c'est clairement un circuit qui n'aide pas, qui paraît simple, mais qui est compliqué. Ludo, constate similaire de ton côté aussi? Ouais, totalement. Bah après, c'est la physionomie de la piste qui fait ça hein, en fonction des voitures. Et quand il y a un gros niveau comme ça, bah, pareil, c'est encore plus géré pénalisant à la moindre erreur, quoi. Ouais, donc du coup, faut quelque part peut-être un peu plus préparé, peut-être sur ça. Je dis ça comme peut-être comme conseil qu'on pourrait donner au. À ceux qui nous écoutent et qui participeraient à d'autres événements qui se dérouleraient sur ce circuit, c'est peut-être voilà, peut-être s'y attarder un peu plus. Ouais, bah... Oui, très clairement, je pense qu'il faut s'y préparer. Il faut aussi, je pense, bien préparer la voiture aussi, très clairement, parce que voilà, c'est qu'il faut bien travailler le setup aussi pour voir une voiture qui est relativement assez stable. Hein. On l'a vu, quand même les Porsche qui n'étaient pas à la fête ce soir, très clairement, donc. Donc voilà, il faut bien préparer le circuit et notamment aussi la voiture. C'est le combo des deux qui est un peu une obligation en soi. C'est aussi. Ça. Donc voilà, en tout cas, beaucoup, beaucoup d'incidents. Bon, une victoire Aston, d'un souffle sur une Ferrari aussi. Hein, ça a été un bel événement hein, dans l'ensemble, on peut le dire. Hein. Et puis, bah, sachez qu'on va rester sur des circuits anglais hein, pour le coup, hein, parce qu'on est vraiment sur une dynamique anglaise. Alors, je vais vous retrouver les messages précédents, évidemment, qui mentionnaient cela. C'est que nous aurons nous aurons ensuite Houlton Park et Donington hein, qui sont prévus. Ouais. À votre avis, du coup, est-ce que ça peut donner lieu aussi des situations un peu tendues, comme on a pu en avoir pour certaines durant la soirée? Alors, tout dépend le combo. Hein. Donc, ce sera en GT3 à chaque fois, je précise. En GT3 à chaque fois, ok. Houlton Park en GT3, ouais, ça va pas être simple. Parce que le circuit n'est clairement pas très large, pour le coup. Et moi, je pense qu'il a un peu la même physionomie que Brands Hatch pour le coup, même s'il est un peu plus plat, il est moins vallonné très clairement. Je pense qu'il y aura pas mal de sorties de piste à mon avis aussi, je le pense. Et pour Donington, moi je pense que ça sera un peu plus calme. Alors après tout dépend si on a la version complète ou si on a la version courte. Mm-hmm. Je sais pas si on aura la fameuse chicane avant l'épingle. Donc très clairement si on a cette version là je pense qu'on peut avoir quelques sorties de piste par là-bas aussi, mais sinon très clairement je pense que Donington ça ira peut-être un peu mieux, mais à confirmer. Ludo, ton regard là-dessus aussi sur ces circuits qui attendent nos pilotes pour l'événement? J'ai envie de dire bon chance. Ah bah oui, là oui, ça rejoint ce que tu disais, clairement va falloir bosser parce que là c'est à chaque fois des circuits qui pardonnent pas, donc si tu le prends à la légère ben ça peut mal se terminer. Si tu bosses t'as plus de chances que ça se termine bien, même si on n'est pas à l'abri comme on l'a vu tout à l'heure que quelqu'un clip l'herbe et t'embarque avec, mais c'est sûr qu'au plus tu travailles au plus tu vas avoir de chances d'avoir des résultats, donc je suis totalement d'accord avec Jérémy là-dessus. Et puis c'est quand même, ça reste des circuits atypiques, les circuits anglais, hein, des circuits à l'ancienne, comme ça vous voyez il y a peu ou pas de dégagement en asphalte, on reste dans le, j'ai envie de dire presque dans le berceau un petit peu du sport auto là-bas, vraiment. Hein, oui. Plus tradition aussi surtout. C'est important, bah, ça, l'héritage, je veux dire, et l'entretien aussi de l'historique, du passé un petit peu de ce patrimoine sport automobile qu'on a en Angleterre. Auto et moto, oui, aussi. Oui, bah très clairement, oui, c'est des circuits à l'ancienne, donc avec
des bacs à gravier, de l'herbe, voilà. Même on peut y compter aussi Silverstone, hein, qui fait un peu partie de ces circuits-là. Bon, voilà, Silverstone et Silverstone, hein, voilà. C'est un circuit qui est génial, notamment pour de la GT3 aussi. Mais très clairement, oui, les circuits anglais, c'est sûr que c'est vraiment clairement un autre niveau. Et je pense les plus beaux circuits en Europe, je pense très clairement, bon, hormis Spa, hein, bien évidemment, qui est pour moi le plus beau circuit au monde. Mais, là, t'as eu chaud tes fesses quand même, hein, quand tu as dit la phrase, là, oui, du coup. Non, mais Spa est un autre niveau, hein, faut pas comparer les circuits anglais et Spa, c'est clairement pas pareil, mais c'est vrai que, oui, les circuits anglais ont leur charme, ça c'est clair. Ah bah oui, Ludo, tout pareil. Ouais, et Jérémy est pilote, donc il sait de quoi il parle. J'ai envie de te dire, j'ai pas trop besoin de confirmer ou de contrôler. Ouais, mais totalement, non, mais je pense qu'il dit tout, hein. Y a pas photo. Ouais, alors en tout cas, nous, ça nous régale à chaque fois, hein, ces tracés-là. Et même, c'est on ça. Le voit aussi sur les courses réelles, comme le fameux BTCC, championnat anglais de voiture de tourisme, oui. Qui a l'habitude encore de côtoyer des tracés comme cela. À chaque fois, vous pouvez vous attendre à ce qu'on ait des luttes âpres. Et franchement, voilà, c'est... Encore une fois, on perpétue les traditions et c'est très très bien comme ça. C'est un peu le sport auto comme on l'aime, comme ça, quand on est dans le maintien du patrimoine, vraiment. Voilà, ça c'est. Je fais un peu mon Jean-Pierre Pernaut peut-être sur ce coup-là. mais c'est la réalité. Parce que bon, les choses font pas toujours. Enfin, il y a des choses pour lesquelles ça s'améliore, il y a des autres choses pour lesquelles, bon, on a l'impression parfois peut-être un petit peu perdre ou de régresser un peu. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, tant que la passion est là, ça, j'ai envie de dire, ça soulève des montagnes. Disons-le assez franchement là-dessus. Ok, bon, bah écoutez, on va pas tarder à se quitter, bien évidemment, puisque ça y est, le générique de fin, ça y est, René me dit, le générique va être prêt. Ah, bah, voilà. Et il bosse quand même, hein, le René, attention, hein, il faut faire évidemment tout ce qu'il y a à faire. Mais on va bien sûr rappeler les rendez-vous de l'été. Pour le coup, parce que bah oui, hein, on est en programme estival sur la chaîne, bien sûr, donc c'est tout à fait normal et avec thème de circonstances, bien évidemment, hein, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude de tout ça. Donc, pour le coup, voici donc la grille là, ici, donc avec. Bah, le prochain événement donc, qui aura lieu jeudi prochain 21h10, donc oui, jusqu'à jeudi prochain c'est repos pour la chaîne, petit aller-retour sur les terres natales de la chaîne pour le coup, c'est pour ça ce week-end il n'y a rien. Vendredi prochain par contre, là on va se mettre un peu, si je puis me permettre l'expression, on va se mettre un peu sur la gueule, oui. Mais de manière conviviale et sympathique, puisque ce sera soirée sur Wreckfest, en l'occurrence, dans le cadre du programme Motors The Trip, bien sûr. Donc ça, c'est rendez-vous vendredi à 20h50. Puis après, le week-end, là, ce sera plus sérieux, puisque ce seront les 24 heures de Spa sur iRacing, à suivre dès 14h le samedi 22. Puis le jeudi 27, on repart sur un événement de la LMR. Et le lendemain, bah oui, ça c'est bien obligé. Le meilleur du pire de ce qui a pu se passer sur la chaîne et en dehors, le Best of Motors. Sachez qu'on n'a pas encore commencé les montages, hein, donc là je sens que je vais un petit peu souffrir. Là du coup, hein, c'est pour le 28 à 20h50. Puis encore d'autres événements. Bah, de toute façon, chaque jeudi, vous avez une course, hein, soit assez tôt comme ça, compétitionné, comme on vous l'a dit. Road Truck Simulator, on aura un petit passage dessus le 4 août. Puis on aura l'Alsace Rally Festival auquel on va assister, bah oui, avec des voitures historiques de rallye sur les terres alsaciennes, du côté de Molsheim notamment. Bah ce sera les vendredis 25 et samedi 26 août prochain, en compagnie de notre cher Philippe, bien sûr, Alsace Fanatique, qui sera avec nous sur place. Puis il y aura aussi le samedi soir, là, oui, on va s'amuser sur Mario Kart 8, bah oui, puisqu'on a la Switch maintenant au sein de la chaîne. Et oui, donc du coup, soirée sur Mario Kart. Je pense qu'on va bien se marrer, moi aussi, hein, on n'en a pas douté. Il y a peut-être des amitiés qui vont se ruiner, peut-être aussi, hein, ça c'est pas impossible non plus. Hein, c'est ce genre de jeu, de toute façon, ça arrive toujours, hein, ça faut bien le savoir. Puis ensuite, plus sérieusement, on aura le démarrage de la nouvelle saison de la Next Level Racing et Fan Cup Series
Fall 2023 à Daytona pour le 30 août. Le lendemain, un dernier événement pour l'été par la LMR. Et puis le week-end du 1er et 3 septembre, eh ben, on aura la finale française de l'IAMA Series. L'IAMA Series France, donc, qui aura sa finale à mi-recours donc, dans les Vosges. On sera sur place, bien sûr, là aussi pour suivre notre cher Julien Chastanet, notamment, et tous les autres pilotes francophones, et Juan Caro aussi, notamment, qui vont évoluer là-bas. Donc, vous avez compris. Hein. Et puis, il y aura peut-être un peu de montage Lego, mais cette fois-ci, de la Chevrolet Mustang. De la Chevrolet NASCAR plutôt, que je raconte moi. Oh là là, La Chevrolet Camaro, voilà. C'est... Oh putain, ils étaient un petit peu dans le coltard. Tu vas t'attirer les foudres là. Oui, je sais. Mais bon, voilà, c'est un peu de fatigue. Voilà, je vais pas vous le cacher. Là, pour le coup, qui justifie ma bêtise que je viens de lâcher. Je m'en excuse au plus profond, bien sûr. Donc, la Chevrolet Camaro, bien sûr, de Mustang, génération 7 en l'occurrence, en Lego Technique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, il y aura ça aussi qu'on planifiera durant l'été. Bref, il ne me reste plus qu'à vous rappeler également les réseaux sociaux. Encore une fois, n'hésitez pas à aller les suivre si ce n'est pas encore fait. La page Facebook, toute l'actu de la chaîne en temps réel. La chaîne Twitch, bien sûr, n'hésitez pas à aller la follow ou la sub pour être toujours là pour suivre les lives, interagir avec nous sur le chat, retrouver les replays pour ceux qui sont sub, en plus d'avoir badge d'abonnés, emoji exclusif et retransmission sans interruption pub. Mais les VOD, vous pouvez aussi les retrouver sur YouTube. Par contre, il faut être patient. C'est plusieurs heures après les diffusions, voire jours, parfois, selon les délais de traitement de YouTube. Et enfin, il y a la page Instagram, @BenjixMotors. N'hésitez pas à aller là-dessus parce que là, d'ici peu, il va y avoir beaucoup de contenu. Bon, orienté plus moto, certes. Mais voilà, et puis des bonus, une salle exclusive, et puis parfois aussi des événements réels sur lesquels on se trouve et qu'on vous partage comme il faut en story, tout comme en post sur Insta. Donc n'hésitez vraiment pas à aller nous suivre par là-bas. Voilà, tout est dit. On va remercier bien sûr les pilotes hein, pour... la belle course qu'ils nous auront proposée ce soir, très animée, très agitée. On va remercier aussi la LMR, hein, bien sûr, pour la confiance accordée en moyens techniques et de production de Benjix Motors pour assurer la retransmission de cet événement. Et puis, ben, je vous remercie tous les deux, messieurs, que ce soit Ludovic Peset, que ce soit Jérémy Froli, c'était un plaisir, comme d'habitude. Avec plaisir, hein. Pas de soucis. Bah, avec grand plaisir aussi, voilà, moi qui ai commencé par du Assetto Corsa, donc avec toi aussi, donc pour mon premier job en tant que commentateur, donc et consultant par la même occasion. Mais très clairement, oui, ça fait toujours plaisir de revenir sur un peu de Assetto Corsa et très clairement, ça fait du bien. Bah oui, ACC n'est pas mort sur la Motors, hein, ne croyez pas, hein, certains qui disaient, oui, il n'y a plus ACC sur la chaîne, ACC c'est mort. Non, c'est pas mort sur la Motors, hein. On finit toujours par revenir là où il faut revenir sur la chaîne de référence du sim racing francophone, bien évidemment. Passez une excellente suite et fin de soirée. Surtout aussi, profitez bien. Bon 14 juillet à toutes et tous, amis français qui nous suivez. Pour les autres, bonne fin de semaine et bon week-end ensuite, hein, bien sûr. Et puis, sinon, on se retrouve jeudi prochain pour le prochain événement et la prochaine diffusion sur notre antenne. Et d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux. Et à très vite. Ciao, bel été à tous. Bye bye. Ciao. Salut.